Alors, est-ce que ça a l'air de passer? Est-ce que là, ça passe? Ok, ouais, là, du coup, il me les reconnaît de nouveau. Je... je sais pas ce qui s'est passé. C'était et OBS et Streamlabs. Bon bah. Bah voilà. C'est le live, le problème technique, hein, comme toujours sur les streams professionnels, tout ça. Alors, il y a le problème technique, comme toujours sur les streams professionnels, tout ça. Alors, il y a le problème technique, comme toujours sur les streams. Ouais, donc effectivement, le son, il passe, puisque sur Twitch, je m'entends sur la chaîne. Ok. Effectivement, le karma s'est envolé. Ouais, non, mais c'est ça, les streams pro, ça merde. Hein. On a du bol, parce que j'ai eu aussi le transcodage pour quand j'ai relancé le stream, donc ça, ça va. Ok, bah écoutez, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Surtout que j'utilise OBS et Streamlabs OBS pour enregistrer également des jeux offline, des trucs comme ça pour des vidéos. Hier, ça marchait très bien, alors que j'avais déjà fait l'update Windows. Donc ce matin, c'est genre... voilà. Le nombre de notifs sur mon Discord. Ah purée, bah tu m'étonnes, ouais, il doit y en avoir quelques-unes. Ouais, bah désolé pour le début un petit peu houleux. En tout cas, merci d'être encore là, parce que... J'en connais plein qui seraient cassés au bout de 10 secondes, genre moi. Ouais, effectivement. Non, ça va, il a juste fait deux annonces sur Discord, c'est pas... C'est pas trop problématique. J'ai que relancé deux fois après tout. Pire début de live. J'ai déjà vu pire en matière de début de live foireux, hein. C'est pas forcément chez moi, mais j'ai déjà vu pire. Coucou Shadow, recoucou Shadow Wonder. Donc normalement maintenant vous devriez m'entendre. Ah ouais, mais c'est bizarre, c'est très bizarre. Donc oui, pourquoi les boss flashy? Parce que je veux dire honnêtement, que ce soit Grim ou Radiant, c'est un peu des drama queens flashy dans leur genre. Enfin, d'abord je vais faire Grim et peut-être Radiant un petit peu quand même, parce qu'il faut que je les fasse, hein, tôt ou tard. Pourquoi pas un peu de Panthéon effectivement. Je vais pas faire le sentier de la douleur, le sentier des souffrances aujourd'hui, parce que j'ai... Surtout là maintenant avec le début de stream houleux, j'ai pas des masses de temps malheureusement. Bah c'est-à-dire j'ai Radiance au temple de l'œuf noir quoi. Attends. Je vais lancer tout doucement d'ailleurs, j'espère que le son du jeu passera. Bah ça, vous allez me dire si le son du jeu y passe. Je pense que oui. Et il faut que je le mette en français. Parce que ça, j'oublie à chaque fois et j'ai pas envie de devoir tout relancer, c'est déjà assez houleux comme ça. Dit-elle en mettant commencer le jeu. Déjà, est-ce que la scène s'affiche? Normalement, oui. Vous devriez voir la scène du jeu, on est d'accord? Ouais. Ouais, je vais voir, parce que de toute façon, c'est des boss, il faut que je les fasse. Donc... Je vais réessayer, je vais peut-être commencer par Grim, il me semble que j'ai encore la compo de charme hein, que j'avais pris pour lui. Ouais, ça marche Fantasy, ça marche. C'est, je sais pas ce qu'il y a eu, c'était et OBS et Streamlabs, les deux, parce que j'ai essayé Streamlabs aussi en me disant au pire je lance là-dessus, l'overlay est quasiment le même. Et puis c'est l'audio qui était pas reconnu, mais que ce soit et le micro et l'audio du bureau quoi donc. Bah non, j'ai toujours pas battu Grim, j'ai pas retenté depuis vendredi. Hein. Non mais Grim, faut pas se leurrer, ça va pas être fait en deux fois. Hein. J'essaierai 40 fois s'il faut, mais... Bonjour Einstein, comment ça va? Ce stream dure combien de temps? Je sais pas, peut-être aujourd'hui, peut-être 3 heures, hein, quelque chose comme ça. En général, c'est la moyenne de mes sessions. Hein. Dimanche dernier, c'était exceptionnel, les 6h30, et ça m'a bien fatigué, donc... Le stream 24h, c'est pas pour tout de suite, hein, je vous le dis. Donc ouais, il faut que je réessaye le monsieur qui est rapide et qui m'embête un peu, mais bon. Je vais essayer de voir comment... Donc lui, je sais qu'il est très aérien tout ça, donc on va essayer de se concentrer un peu. Et puis voilà, on recommence sur un boss tout de suite, histoire de... La musique est très bien. Alors. Je l'ai eu? Ouais. Là par contre je l'aurais pas. Non, je l'ai raté. Ça par contre les pointes il faut que je fasse gaffe.
Parce que j'ai trop tendance à sauter. Oh, de justesse. Ah, pas le bon sort. Tant pis pour moi. Donc là, faut que je fasse gaffe. Bah, bien sûr que non. Bon, j'ai pris deux coups. C'est pas trop grave. Ah, zut! C'est dommage, ça a bien commencé, hein. J'ai plus de magie. Zut, zut, zut. Ah, maintenant ça me perturbe, j'ai plus de magie. C'est dommage, ça a bien commencé. Ouais, mais là j'ai plus de quoi balancer les sorts. Ah, mais ça a mieux commencé que les autres fois, ça va. Que le pouvoir du bolossage soit avec toi. Shadow Wonder, j'ai pris du niveau peut-être, mais pas suffisamment sur la durée. Donc, oh bah attendez, il y a plein de monde dans le chat, là. Il y a Avdio qui dit bonjour, donc bonjour Avdio. Et oui, je tente Grim. Chuba, bonjour à toi, il y a un petit pandarou dans les gradins. Yes, le pandarou. Rapide, si tu fais Grim Cauchemar, tu verras la lenteur de Grim normal. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais Grim Cauchemar, ça va pas être pour tout de suite, on va d'abord faire le normal. On peut voir mes charmes. Oui, pas de problème. Envoie-lui de la puissance. En fait, c'est ce que j'ai fait avec les sorts au début, et après, ben, j'ai perdu le rythme. Je crois que Grim, c'est ça, c'est vraiment une question de rythme. Si on est dans le rythme, c'est bon. Et si on n'y est pas, ben dès que j'ai commencé à prendre des dégâts, ben, j'ai perdu le rythme. Mais au début, c'était bien. Au début, c'était cool. Donc, comme charme, j'ai ça. Est-ce que ça va vraiment m'être utile, celui-là, avec Grim? Parce que comme il est assez rarement fixe au sol, hein, on est d'accord? Bah, l'héritier de Grim sert à rien, Grim il l'aspire. Bah oui, il sert à rien, mais si je le prends pas avec moi, Grim n'apparaît pas. Enfin, la dernière fois que j'avais essayé, il me semblait que Grim n'apparaissait pas. Non, j'ai pas les bons réflexes, bah c'est clair, bah ça va venir. Hein. Ça va venir. En vrai, ouais, est-ce que l'ombre tranchante, j'en ai vraiment besoin, hein. Est-ce que je serais pas mieux de mettre celui-là plutôt à la place? Ah, il fait 3. La force, c'est mettre les cœurs et le charme de Dream Knight ou des chenilles. Ouais, c'est vrai que lui, comme il fait 2... Parce que je vais quand même essayer de l'avoir en partie au sort. Et l'ombre tranchante, j'hésite. Je suis pas sûre. Ouais, tu peux faire une blague de merde, bien sûr. Bah, ombre tranchante, Shadow Wonder, très fort en combat de boss. Mais est-ce que Grim, j'ai vraiment l'occasion de le traverser avec mes dashs? Je suis pas entièrement sûre, c'est un peu le truc. Ouais, y a pas de soucis, ne vous inquiétez pas, si j'ai besoin de conseils, je demanderai, y a aucun souci, quoi. C'est comme Louis, c'est une personne qui compte. Si tu mets pas la force, le combat dure 10 000 ans. Mais c'est ça, c'est pour ça que je veux garder aussi le charme de... C'est pour ça que j'avais ça, en fait, pour lui faire des dégâts. Mais... Je peux si je me démerde bien, ouais. Parce que le truc, j'essaye d'y aller au sort, mais pareil, comme il est rapide, je l'ai touché quelques fois au sort, mais il y a aussi des fois où je l'ai raté. Bon, celui-là, il est pas mal pour éviter de me... Bon, il coûte pas cher en plus. Pour éviter de reculer quand je le bourre. Mais... Alors... Le charme de vie... Mais le charme de vie, pareil, en fait, il faut surtout que j'esquive, quoi. Mais est-ce que vous êtes sûr que si j'enlève celui-là, parce que oui, on est d'accord, il sert à rien. Moi, je voudrais bien l'enlever et mettre autre chose à la place. C'est... Mais il me semble que j'avais essayé vendredi et Grim n'était pas apparu, du coup. Hein. Ouais, c'est ça, il y en a besoin. C'est, bah ouais, sinon, ce serait trop facile. Sinon, j'aurais viré, vous pensez bien, il me sert à rien. Ça me saoule, quoi. C'est... Ouais, c'est ça, exactement, il va pas apparaître. Hein. Donc... Le Trimnel, il faisait combien? C'était un charme à 1 ou 2, je me rappelle plus. Chenille, c'est que à 1. Éventuellement, ce que je pourrais faire, je vais essayer comme ça.
Je vais peut-être essayer ça. Les araignées récoltent de l'âme aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Celui-là, j'aimerais pas... Enfin, je voudrais quand même le garder pour avoir un peu plus d'allonge. Parce que sinon, j'en ai pas beaucoup. C'est celui-là qui m'embête, hein. Il sert à que Pouic. La force, le problème, c'est que si je l'enlève, ben, je vais faire encore moins de dégâts. Et ça va pas être terrible. Est-ce que les araignées auront le temps de l'atteindre? C'est pas bête. Je vais essayer ça. Parce que comme dit, pour l'instant, j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup l'occasion de le traverser avec mon dash. Donc... Mais en fait, ouais, c'est la question que j'étais en train de me poser. Est-ce qu'ils se téléportent pas trop pour les araignées? Est-ce qu'ils se téléporteraient pas trop? Parce que autant sur un truc genre le chevalier, le faux chevalier là et tout, ah ouais, il est tout le temps au sol ou presque. Mais est-ce que Grimm, il est pas trop en l'air? Je vais essayer. Beaucoup d'attaques de lame. Et de lame aussi. Ah. Pff, mais ça fait le bordel là, regardez-moi ça. Zut. Je vais essayer, je pense que je vais me faire bolosser, mais c'est pas grave. De toute façon, faut que je retourne au banc en fait, parce que j'ai oublié de récupérer mon âme. Voilà quoi. Je vais juste aller recharger. En plus, les bébés, toi. Ouais, alors, les bébés, moi, je sais pas, mais... J'ai vraiment du mal avec ce truc. Ça bouffe pas de l'âme, d'ailleurs, ça. Donc, si j'utilise les bébés, moi... Je crois que ça va me pomper l'âme, donc je pourrais... J'avais dit que je rechargeais. Faut peut-être que je reste assise sur les bancs. Hein, ça commence bien. Déjà que je me suis réveillée en retard ce matin. J'avais qu'une demi-heure avant de préparer le stream. Trop bien. Peut-être pour ça que j'ai pas eu le temps de vérifier OBS. Hein. Parce que normalement, je vérifie un petit peu avant, mais... Visiblement, non. Voilà. La grasse matinée, ben c'est pas cool. Je vais essayer avec ça, je suis pas sûre hein, pour les araignées parce que je soupçonne qu'elles vont effectivement pas arriver à l'atteindre vu ces téléportations. Mais ça vaut la peine d'essayer. Après, c'est une question, faut que j'esquive. Hein. C'est. Tu t'es levé à 10 heures. Oula! Ah, mais merde, oui, elles font des dégâts, je suis conne. Bah, bien sûr, forcément qu'il va faire ça au début. Ah, mais ouais, c'est logique. Parce que là, j'aurais eu le temps d'en caser un deuxième. Je suis pas sûre que les araignées arrivent à le choper. Hein. Non, à mon avis, elles n'arriveront pas. Non, elles y arrivent pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah bah ouais, là, je vais prendre les âmes. Merde. Ah! Je suis trop concentrée sur les boules, du coup. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la merde. Ah! Ah, tu sais, le mauvais côté. Ouais, je suis pas convaincue, les araignées. Hein. Ouais, ça. Elles lui font des dégâts quand il est dans cette position, comme ça, au sol, mais je sais pas si ça suffit. J'aurais peut-être plus lui caser un sort, là. Merde. Elles me font des lames, les araignées? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, hein. Ouais, quand ils s'inclinent, les araignées le tapent, c'est le pire truc, c'est ça. J'ai pas du tout pensé à ce détail, mais c'est vrai que... non, les araignées, je suis pas sûre. Elles le tapent, mais elles font des tout petits dégâts. Et Ouf, Grimm, coucou, Akas, 3003. Oui, Grimm. La forme Dune. Ah ouais, j'utilise jamais celui-là. Je ne l'utilise jamais, c'est vrai. C'est qu'il s'est levé à 9h50, ouais. Ouais. Chez les araignées, je suis pas convaincue. Hein. Ça, éventuellement, ouais, pour regagner plus d'âmes.
Pierre de chaman, c'était laquelle? C'était celle-là. La puissance des sorts. Dans ce cas-là, il va falloir que je vire un truc, peut-être ça. Je vais vraiment pas virer la force inébranlable, parce que franchement, j'ai besoin de frappe un peu, vu que je vais faire les deux. Celui-là, je sais pas. Celui-là, je sais pas. J'hésite. Si je le vire lui, qu'est-ce que je mets à la place? Ça, je m'en fous. Ouais, à ce moment-là, si je remets le capture homme, autant mettre celui-là, il prendra un deuxième, hein, le porteur de rêve. Shadow spines, unbreakable strength and fast cutting. No spoilers, please. by the way, do you speak English or do you speak French? Just to know. Donc là, me traduit la marque du respect. Ouais, mais j'ai plus assez d'emplacement de charme, hein. Il y a plein de choses qui sont très utiles. No, sorry. I don't speak Spanish. Not so little, that. Un charme qui permet de me soigner en bougeant. Purée, c'est de quoi, ça? So this one, unbreakable strength. Force inébranlable, celui-là, je le garde. Celui-là, je l'avais et ça m'embête de l'enlever parce que il est cool. Il est cool. Alsacien, ouais. Yeah. Avdiou, si tu parles espagnol, peut-être que tu peux l'aider un peu, effectivement. Ah oui, d'accord, forme d'une. Ok, ouais, c'est celui-là. Que j'utilise jamais. Je peux essayer. Je peux essayer. Je vais essayer comme ça. Ah, mais je vais essayer toutes les combos de charme, hein, parce qu'il y en a plein que je fais jamais. Cœur bleu, épine, force incassable et la coupe rapide. Ok. Alors, attendez. Je vais noter. Parce que là, j'ai plein de trucs, j'ai plein de suggestions. Donc, et on avait dit en taille rapide, et on m'a dit aussi forme d'une. J'arrive plus à me relire. Il y a pas mal de choses que je pourrais essayer. Je vais essayer ça, et après j'essaierai l'autre combinaison. Donc... c'était quoi? En taille rapide, le cœur, les épines et la force incassable. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Celui-là, j'ai pas l'habitude de l'utiliser, ça va faire trop bizarre. It's going to be very very strange. But why not? Why not? Après, on est entièrement d'accord qu'il faut aussi que j'ai des réflexes. Le plus simple, c'est quand même d'esquiver. Hein. Ça, plutôt que... Que d'essayer de me soigner par exemple. Donc forme d'une, ça peut être rigolo. Je vais voir. On se recharge, on reste assis sur le banc, on se recharge. Il faut que je me rappelle et recharge vite, mais quand même pas à ce point. Ah, ce stream a mal commencé. Ok, ah tu stream aussi, bah oui forcément. Et bah écoute, bon stream à toi, Avdiou, merci d'être passé. Et puis je passerai peut-être après, on va voir selon le temps que j'ai. Parce que j'ai un jeu de rôle cet après-midi, donc... Et comme il me faut le temps de faire à bouffer, ben forcément c'est pour ça que le stream va pas faire 6 heures aujourd'hui. Ok, on va essayer. Ah c'est vrai que du coup j'avais oublié le coup de l'attaque au début quoi. Bon ça c'était débile. Ça, c'était du débile de chez débile profond. Un sort, ce serait pas mieux là. Là, j'aurais pu caser un sort. Ah, pas le bon. Ouais, là par contre, quand il arrive vite comme ça, là j'ai encore du mal. Ah, ok, déjà. Zut. Ah! On va essayer d'éviter ça. Ça aussi.
Zut. J'aurais peut-être dû le frapper là. Ah, j'ai plus d'âme. Ah, d'accord, ouais, je vois. Mais... j'étais pas... ah, je sais pas, hein. Je pense que le mieux, c'est quand même de juste l'esquiver et... de pas compter sur le soin. Là, je peux rien faire. Niveau sort, j'entends. Là, il est trop rapide. Purée. Celui-là, en fait, je devrais juste dasher, hein. Ah, j'ai plus d'âme. Je peux plus rien faire. Là, il est trop rapide pour que je le touche. Je suis là. Sinon, ce que je pense, un peu augmenter mon journal du chasseur. Ouais, il me reste 4 types d'ennemis à trouver. Ah, il faut que j'aie récupéré les petites boules d'infection. Celles-là, je sais où elles sont. L'astuce consiste à l'attaquer dès qu'il commence à s'incliner. De cette façon, ça devient plus facile. Et que cette attaque devient plus meurtrière, ses mouvements sont plus simples. I'm not convinced. I'm not convinced. I don't know. Parce que d'un autre côté, au départ, ça me permet aussi de me mettre dans le rythme. Quand il commence tout de suite avec ses boules, c'est un peu bizarre. J'ai tout acheté au magasin de Dormouse, ouais. Sauf s'il y a des trucs surprises qui sont arrivés, mais je pense pas. Je pense que... non. J'ai tout pillé au magasin. C'est ça, si je le tape quand il s'incline, il démarre avec les boules de feu. Est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est vraiment mieux? Je sais pas. En fait, la question, c'est si je le tape quand il m'incline et qu'il commence avec les boules de feu, est-ce que ça raccourcit le combat? Est-ce qu'il est plus vulnérable? Est-ce que... parce que si c'est pour qu'il me fasse le combat et la même durée au final, je sais pas si c'est vraiment... je sais pas, celui-là j'ai du mal à le caser en fait, parce que j'utilise toute mon âme pour les sorts en fait. Donc je sais pas trop, je sais pas si sur ce fight je vais vraiment arriver. En plus il dure pas très longtemps, on est d'accord. Ouais, ça sert à rien sauf si tu perds toutes tes vies dès le début. Ben j'ai un peu peur, vu mon skill, je sais pas. Je sais pas. Même les boules. Alors les boules, c'est marrant, hein, quand il les fait du côté droit, j'ai un peu moins de mal. Je ne demandais pas pourquoi. Je sais pas pour la forme d'une. Il peut être bien, mais j'ai l'impression que je vais pas garder. Oui, je suis une streameuse maso. C'est pas faux. Tu commences les Metroidvania, tu reprends les plateformes après 25 ans, tu vas prendre quoi comme un petit jeu facile, Hollow Knight, hein. Pas de soucis. Tout va bien. Donc Akas a parlé des épines, mais est-ce que les épines ça va vraiment... est-ce que ennemi proche, est-ce que Grimm va être un ennemi proche? Ça, c'est quand même une autre question. Mais en vrai, ouais, l'entaille rapide, j'aimerais bien le prendre parce que j'ai pas beaucoup l'occasion de le frapper. Donc quand j'ai l'occasion de le frapper, ce serait bien que je puisse le bourrer. C'est un peu ça, quoi. Enfin, celui-là, il m'embête, quoi. Celui-là, il m'embête, hein. C'est... et j'ai pas le choix, il faut que je le mette. Celui-là, c'est 2. Celui-là, l'entaille rapide, c'est 3, hein. Et je vais pas me surcharmer parce que là c'est... ne perdez pas autant de vie si vous apprenez à utiliser l'armure et les épines pour éviter les coups. le but c'est d'éviter les coups de base. Fais quoi si t'es surcharmé? Fantasy, si je suis surcharmé, je prends 2 fois plus de dégâts en fait. Donc au lieu de prendre un masque de dégâts, j'en prends 2. Donc vu comment ça va, c'est peut-être pas le bon plan. Surcharmer, ce serait bien si j'esquivais systématiquement, ouais. Si j'arrivais à esquiver tout le temps, là, il n'y aurait pas de souci. Mais je n'ai pas encore ce niveau.
Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Bah celui-là, ouais, mais bon, je vais essayer de pas prendre des coups, donc... Celui-là, si j'avais toutes mes vies, ce serait bien, mais... Je vais pas avoir toutes mes vies sur ce fight et j'aurai pas le temps de me soigner, donc ça va pas me servir à grand-chose. J'ai envie de prendre celui-là, mais je sais pas, je sais pas. Salut Bra, elle vous énerve pas, rigoler dans le fond, là, comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore? Attendez. Faut voir un truc. Ça me fait deux trucs en plus. Eh, reviens. En vrai, est-ce que du coup, il n'y a pas l'autre qui fait la même chose, là? Tant qu'à faire. Coucou Dan, comment ça va chez toi? Je sais pas, il faut que j'esquive. Je suis pas convaincue de la combo. L'armure, on parle de laquelle, celle-là? J'ai récupéré ça où? Et moi, et le chat, et le chat. Bah écoute, moi ça va, le chat, j'ai l'impression que ça va. On a quelqu'un qui parle espagnol, donc il faut qu'il utilise une traduction. Donc moi je parle pas espagnol, donc bah forcément, malheureusement, ça aide pas. Il y a OBS et Streamlabs qui m'ont pas reconnu mes pilotes audio, là, comme ça. Ouais, ça c'est un combo pour Radiance, ouais. On est d'accord, on est d'accord. Mais Grim aussi, celui-là pourrait être bien. Mais je peux pas tout mettre, hein. C'est... Je veux bien essayer avec ça. Mais pareil, la suggestion d'Akas, ouais, ok. Mais tant qu'il y a ça, je peux pas faire la combo complète. Et ça, ça fout la merde. Donc, on est d'accord par contre que sur Grimm au Panthéon, ce genre de choses, ce serait faisable. Là, oui. Parce que je pense qu'il sera au Panthéon, hein. Je me fais pas d'illusions. Ah! Je vais essayer autre chose. Gagner un peu plus d'âme, je vais faire moins d'effets avec les sorts, mais je devrais arriver à le frapper plus et à recharger un peu plus vite. Tous les boss sont au Panthéon, ok. Je vais essayer avec ça, je sais pas si c'est une bonne combo, mais après tout, bah faire mes propres essais, c'est aussi, ça fait aussi partie du jeu. Hein. Donc, parce que le pire, c'est qu'il peut y avoir une combinaison de charme idéale, mais qui marche pour un certain style de jeu, qui marchera même pas spécialement pour moi. Du genre, oui, si tu esquives tous ces coups, tu peux faire ça, mais si je les esquive pas, la combinaison de charme est pétée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, j'ai touché. Ah, zut, j'aurais pas dû dash. Ah, ok. Ah, zut. Voilà, non! Pourquoi il va dans ce sens maintenant? Dans le feu de l'action, je vous cache pas que les sorts, c'est pas toujours évident. Hein. Ah, pourquoi? Ah bah j'ai plus assez d'âme. Bah oui, forcément que j'avais plus assez d'âme, j'avais pas arrivé à me soigner. Qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai perdu le rythme. C'est pas grave. C'est pas grave, ça me permet au moins de voir quelle connerie je faisais. Ouh, j'ai réussi à le caser. Voilà. Pas... Non! Qu'est-ce que je fous? Ah, la conne! Mais ça marche pas trop mal quand même, hein. J'ai pris des dégâts, mais mine de rien... Qu'est-ce que je fais? Ah, ok.
Celui-là, j'ai encore du mal. C'est la panique. Non, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Mais... T'as récupéré ton oreille gauche plus que la droite. Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Dan? Oreille gauche, droite, selon comment t'es tourné, ça change. C'est pas forcément dégueulasse. C'est pas forcément dégueulasse. Je suis pas crevée sur le début du combat. Les boules, je commence à savoir les éviter. On va réessayer. Donc, je sais pas si pour vous c'est du tryhard, mais pour moi c'est dur, il faut que je réessaye encore et encore, donc pour moi c'est du tryhard. Ok. J'ai pas trop eu l'occasion de voir si les épines lui faisaient quelque chose, par contre. Mais c'est vrai que le bébé Grimm, là, il m'embête, hein. C'est genre, tu sers à rien. Je viens de m'exploser le talon en sortant de ma chambre. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de vous faire mal. Je sais que j'ai dû marquer que c'est le stream de la douleur, mais c'était pas à prendre au sens propre du terme. Vous faites pas mal. Ah, un bouchon. Oh, purée. Oh, c'est horrible. C'est horrible. J'avais un truc comme ça une fois. Le médecin, il a dû vraiment m'injecter de l'eau ou des trucs comme ça. Pour... C'était ignoble, quoi. Et ça partait pas tout seul. Ah, Chuba accro, addict à Stardew Valley. Ah, coup de soleil. Ah, faut que je fasse gaffe, je vais essayer de me concentrer un peu. Allez, Grimou. Comment ça, il va dans ce sens maintenant? C'était quoi cette nouveauté? Comment ça? Putain. Ouais. Ouais, normalement il va dans ce sens ici, non? Oula. Voilà, là j'ai merdé. Là j'ai merdé. Ok, les bouboules. En fait, ça, faut juste que je fasse gaffe. Elles sont pas difficiles à esquiver, hein. Faut juste que je fasse attention aux boules plutôt qu'à Grimm. Parce qu'au final, c'est les boules qui sont dangereuses à ce moment-là. Là, j'étais un peu loin de lui. On va essayer de se soigner un peu. Je peux arriver à faire deux masques, ok. Hey, ils applaudissent, les gens! Ah, merde! Ah, j'étais mal placée. Ouais, là j'arrive pas à lui coller des coups quand il fait ça. Là j'ai plus d'âme. Aïe, aïe, aïe. Mais... Ah, ok. Ouais, je suis arrivée à la voir ici. Pas de beaucoup, mais je suis arrivée. Mais pourquoi je pensais qu'il allait faire les attaques avec les épines là? Regardez-moi ça! Alors là, c'était. C'est bonjour, j'ai rien compris à ton pattern. Voilà, je pensais qu'il allait faire ça, je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai fait de la merde. Mais c'est pas grave. Les gens sont dans le public, sont plus gentils que dans le Colisée, ouais. Alors attendez, je vous rattrape juste. Instant rectum, je vais pouvoir à l'avant. C'est ça, dans l'oreille. Ah ouais, avec de l'eau salinaire pour bouchon d'oreille. Hein. Ouais, des fois ça marche, des fois c'est pas suffisant. Ça dépend de la consistance du truc, quoi. Des fois faut que le médecin te le fasse, quoi. Mon nettoyeur utilise l'oléum sulfurique. On utilise ça en chimie quand on n'arrive pas à nettoyer les traces qui restent sur le verre. D'accord, j'espère que c'est pas une blague.
D'habitude, stop, mais bon, médecin voulait pas. Coucou Azaïla, comment ça va? Ouais, Grim, il est très sympa, le combat est très fun. En fait, je pense que c'est pour ça que ça me pose pas de problème, que je rage pas plus que ça sur les fights et tout, je chouine un peu, mais sans plus. Parce qu'ils sont fun, la plupart des combats de boss sont fun. Desktop, petite pipi de chat à côté du Holium. Oui, c'est bien ce qui me semblait, c'était de la grosse vanne. Elle est pas trop dégueu. Je peux caser un coup gratuit lorsqu'il me salue. Mais alors, Azaïla, le problème, c'est que... quand il me salue, si je fais ça, il commence par son attaque avec les boules. Enfin, oui, il devient une grosse boule et il me balance des boules rouges, ok? Ce que je ne sais pas, en fait, c'est... Est-ce que ça a un intérêt par rapport au combat? Est-ce que c'est juste il commence par une attaque différente et c'est tout? Ou est-ce que ça change quelque chose du genre ses attaques font 2 points de dommage, il devient plus vulnérable ou des trucs comme ça? En fait, c'est surtout ça la question. À quoi ça sert? Je case un coup gratuit, mais c'est juste un coup. Est-ce que ça a véritablement une utilité stratégique dans le combat ou c'est juste un coup de plus? Ça peut être le coup qui fait la différence, on est d'accord, mais... Ça change rien, juste un coup gratuit. Ouais. Vous voulez que j'essaye? Va voir. Avant, j'avais mis les petites araignées, elles lui ont fait un coup et il était là. Ok, d'accord. Te fâche pas. C'est bon. Je peux essayer, hein. Si, du moment à ce que je m'attends que ce soit l'attaque des boules. On tente? Allez, on tente. On tente. Bah, tu sais, de toute façon, je vais pas l'avoir de ce coup-là, hein. Ah bah non, ça a pas changé grand chose. J'ai dû le rater du coup en fait, ou à pas plus, ça a pas fait plus d'effet que ça. Là c'était pas censé qu'il aille dans ce sens. Celui-là par contre j'ai du mal. Ouais bah là le truc en fait c'est que j'ai pas le rythme. Non, je vais pas lui porter un coup, je vais faire à mon rythme. C'est peut-être pas le plus efficace, mais c'est mon rythme. Parce que là, ça m'a complètement pété le peu de rythme que j'avais. Et du coup, ben voilà quoi. Maintenant, je suis complètement, complètement déphasée. Non, non, c'est vraiment une affaire de rythme ce boss. Hein. Et si vous le perdez, c'est mort. Celui-là, j'ai trop de mal, quoi. Pourtant, elle est pas compliquée, cette attaque. Il fonce juste dedans, quoi. Celle-là est plus dangereuse, limite. Ah, ok. Voilà. Ok, ouais, donc s'il est trop proche du bord, il va partir dans l'autre sens. Ouais, je pense que je vais me faire bolosser, mais c'est pas grave. Là, j'étais un peu loin de lui pour lui porter un... Ah non, quoique. Ouais, c'est ça. Ah, zut. Mauvais réflexe. À la guerre comme à la guerre. Alors, attendez, je vous rattrape un petit peu. Conseil de charme demande à Az. Ouais, je suis en train d'essayer des trucs. J'ai peut-être pas forcément la meilleure combo. Le problème, en fait, c'est qu'on m'a suggéré des combos, mais c'est des combos qui impliqueraient de pas avoir... Il y en a une qui serait bien, mais ça implique de pas porter le charme du bébé Grimm, et c'est juste pas possible sur ce fight, quoi. Ouais, j'avais loupé le créneau, effectivement. Le mec, il s'incline devant toi, et toi, tu le tapes. Ben, en fait, ouais, je vous avoue que j'ai du mal avec le concept aussi. Merci de pas faire de blagues sur cette phrase, je suis pas le... La guerre comme la guerre, en même temps le gars il t'attaque alors que tu t'es occupé de son gosse, c'est pas faux non plus. Tu peux te soigner une fois lorsque les pics sortent. Ouais, faut juste que j'ai de l'âme. Y'a pas de voiture aux Pays-Bas donc ça va quoi. Ok. J'ai dû rater une vanne, c'est pas grave. Je vais récupérer mon âme. Et puis on va voir. Mais bah regardez, je tire un petit peu plus qu'avant. Hein. Longue portée.
Ouais, là j'avais essayé le charme avec les épines, mais ça me satisfait pas parce qu'il bouge beaucoup, Grimm. Alors Azela, j'ai pas compris non plus. Je te cache pas. Longue portée, on est d'accord, on parle de celui-là. Hein. Je vais essayer comme ça. Le charme de force, faut que je garde parce que uniquement au sort, je pense pas que je vais y arriver. Mais... Non, mais il faut que j'esquive. Hein. C'est du moment que j'esquive ses attaques, le combat n'est pas dur. Je peux le taper autant de fois que je veux, ça prendra le temps que ça prendra. Mais il faut juste que j'esquive. Il faut que je sois dans le rythme. Donc je vais essayer de rester sur, on va dire, mon rythme de base et de pas paniquer. C'est vrai que c'est à la classe. Et les gens, ils applaudissent, c'est bien, c'est cool. Oula, ok. Non! Moi, j'ai réussi à me soigner. Bon, désolé, j'ai parlé un petit peu moins parce que... Faut quand même que j'essaye de le battre un jour plutôt que de faire de la merde systématiquement. Hein. On va aller me soigner avant. Je suis quand même, j'ai raté le coche. Ouais, ça j'aurais pas dû faire à ce moment-là. Ça non plus. Putain. Ah, quelle mouille. Mais non! Je le vois venir en plus, c'est ça le pire. Je les vois venir. Mais j'ai quand même pas les réflexes qui vont avec. Ouais, non, mais là je suis plus dans le... Je vais essayer de le reprendre, mais je garantis rien. Pourquoi je dash en fait? Je devrais juste les éviter comme ça, ce serait tellement plus simple. Voilà, j'ai pas d'âme. Ouais, en fait, j'ai pas besoin de dasher sur ça, on est d'accord? Pourquoi je dash? J'ai tellement l'habitude. Ah bah j'ai pas d'âme. Quoi que t'arrêtes de passer des coups avec ton double saut, donc c'est gite. Je sais plus à quoi ça faisait allusion ça. Zut. J'aurais pas dû dasher. Il faut vraiment que je les évite que comme ça, hein. Je pense que c'est plus simple. Voilà. Oula. J'ai failli pas le voir venir celui-là. Non. Pas grave. Pas grave. Pas grave. Est-ce que je me suis suicidée là ou est-ce que c'était une erreur? Je n'arrive pas à le savoir. Pour les poissons, t'es pas obligé de faire un double saut qui te ralentit un saut, un dash, et tu frappes les poissons. Quoi? Quoique t'as remplacé des coups avec ton double saut, donc legit. Un saut, un dash. En fait, j'aurais faire le saut, le dash, et puis éventuellement le double saut après. Ouais, c'est pas faux, ça. C'est vrai que le double saut me ralentit un peu. C'est pas faux. Il voulait une blague sur des créneaux. Ah, je vous avoue, j'ai pas suivi, quoi. C'est... J'ai pas suivi les blagues. Je vous laisse faire les blagues entre vous. Oui, j'ai compris. Moi, ce que j'appelle moi les boules rouges. Mais alors, j'aurais jamais appelé ça des poissons, quoi. C'est des poissons? Azela, il dit les poissons. Toi, tu dis des oiseaux. Toi, en fait, c'est quoi? C'est juste des boules d'énergie, non? Les boules rouges. Vous dites les boules, ça ira très bien. Les fireballs. Mais il est fun ce fight, franchement j'aime bien. Ça me dérange pas de le réessayer. C'est dans Hades les poissons, mais ouais. Ok. Oui c'est ça, en fait j'aurais pas faire un double saut maintenant, on est d'accord. J'aurais pu me soigner, c'est pas grave.
Ouais, bah là, tu vois, j'ai fait le saut et le dash et ça me réussit pas, donc... On va continuer comme je fais. Purée, j'ai perdu le rythme. Quoi? Je fais quoi, là? Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Celui-là, j'ai trop de mal. Bon bah, j'ai plus d'âme. J'arrive pas à le frapper comme ça. Ah! Essayer de me soigner. Bon, là on bouge pas. Ouais, j'ai réussi à lui mettre un coup. Non, pourquoi j'ai essayé de faire ça? C'est pas grave. On peut pas lui courir dessus, hein. Bon. En fait, c'est ça, le double saut, je le fais quand je suis un peu loin, j'ai l'impression. Mais c'est con, ça. Mais c'est con, ça. Mais... Bah non, j'ai perdu le rythme, hein. Et voilà. Bah, en fait, le double saut, c'est pour ça que je le fais. Pour avoir le temps qui balance sa troisième flamme. Ouais, non, non, là je suis déconcentrée. Écoutez, je vais faire ce qui marche, parce que dès que j'essaye des trucs différents, c'est encore pire. Je sais pas comment j'ai fait, là. Mais je l'ai fait. Zut. Ah! Ah! Ils volent les chauves-souris comme les oiseaux. Ouais, ouais, d'accord, ouais, dans ce... C'était ça, les oiseaux. Les boules, quand ils grossissent, ouais, c'est des boules de feu, c'est des machins rouges qui me foncent dessus et qui piquent. D'après Lucky, c'est des chauves-souris enflammées, personne n'est d'accord. Les machins rouges, on peut s'écorder sur les machins rouges. T'es à choirée, pas t'es certes. C'est ça, en plein fight, chauves-souris, oiseaux, poissons, licorne, faut juste éviter. Non, mais ça vient, mais c'est vraiment... Je trouve que ce boss, peut-être plus que d'autres encore, c'est vraiment une question de rythme. Je pense que c'est totalement fait exprès. C'est vraiment vu comme, un spectacle, une danse, un truc comme ça. Il faut être dans le rythme. Et si vous êtes dans le rythme, bah c'est bon, ça passe crème. D'après un gars qui a une ou deux expériences en navigation, il a, je crois, dit le tour du monde à la voile. Trop de rouge. Oui, c'est vrai, faut aimer le rouge, ça tombe bien, j'aime beaucoup le rouge. Ça se voit pas, je suis tout le temps habillée en noir, mais j'aime bien le rouge. Ah oui, au fait, j'ai la fenêtre ouverte, ça devrait être bon niveau son, mais vous hésitez pas à me dire si jamais c'est... s'il y a des bruits parasites qui gênent, et à ce moment-là, je fermerai. J'avoue, j'ai pas suivi non plus. Mais j'ai du mal à suivre le chat en même temps que je fais ce fight, faut être honnête. Non, là j'étais trop loin. Mais... Ouais, non mais attendez, là je suis complètement... Qu'est-ce que je fais là? C'est ça, c'est plus on essaye d'être concentré, plus on fait de la merde. Ça vous arrive aussi, ça? Ou c'est juste moi? Putain. Mais qu'est-ce qu'il a, mon bouton de saut, là? Vas-y, saute! Purée, je comprends pas ce que je fais, là. Allez, un petit soin.
Ah ouais, surtout ne pas essayer de le retaper quand il fait ça. Oula! Bon, je l'amène déjà, on va dire, en P2. Je sais pas si ça s'appelle une P2 pour lui, mais... J'imagine que oui. C'est vrai que on est d'accord, je suis plus lente quand je fais ça. Voilà, j'ai pas assez d'âme. Ah, c'est bon. Je vous promets, je rattrape le chat après quand j'ai fini de me concentrer sur le fight. Hein. Oula, de justesse. Ah! En plus, je le sentais venir. Bah, la musique, elle est géniale. Hein. Franchement, il est classe ce fight. Ah! Voilà. C'était pas exactement comme ça que je voulais le frapper, mais tant que ça marche. Hein? Moi je dis tant que ça marche. Ah, il est parti dans l'autre sens là. Ok. Je crois que je suis jamais arrivé aussi loin avec Grimm. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon là je peux rien faire niveau sort. Hein. Ah! Pourquoi il va dans ce sens? Non, qu'est-ce que je fais? Ah bah voilà! Simple player, coucou, bienvenue à toi. Je crois que je t'ai pas vu sur le stream, donc tu arrives pour une fois à un moment donné où je bats un boss, c'est magique! Allez, je m'incline aussi parce que c'était une belle performance. Ils sautent de vague en vague et peuvent monter à plusieurs mètres au-dessus de l'eau. Ok. Bah écoutez, c'est cool. Dans le doute. Ah, je vous rattrape juste au niveau du chat. Oh, vous voyez, j'y suis arrivée, j'ai mis le temps, mais c'est pas grave. C'est... Ah oui, vous parliez des poissons volants. Je parle qui est vite. Merci, Saint Player. Ah ouais, du coup, bah, le combat est fini. Bravo, mon ami. Écoutez comment la foule vous adore. Ils n'ont pas vu un tel spectacle depuis tellement longtemps. Oui. Ah, il a le Pokémon évolué. Regardez par ici. Notre enfant a tellement grandi, nourri et renforcé par la chaleur de notre danse passionnée. Ah, c'est beau. Vous allez figurer tous les deux dans de nombreuses tragédies et triompher ensemble, j'en suis certain. Et avec cela, je pense qu'il est temps pour nous de nous dire au revoir. Après une performance comme celle-là, de quoi d'autre le rituel pourrait-il exiger de nous? C'est pas français, ça. Notre enfant. Sortez dans l'obscurité, mon ami. Quittez notre scène et laissez-nous performer notre acte final. Je sais pas si on dit performer en français, mais... Yeah! C'est quoi? Oh, cool! Cool! Ah! Un emplacement de charme! Il se passe encore quelque chose ici? Non, y a rien. Ok. N'oublie pas de voter sur le Discord pour le prochain épisode de Louise au pays de Disney. Alors pour l'instant, je crois que c'est Blanche-Neige et les fesses-mains qui y est en tête. Hein. Il manquait pas quelqu'un? Ouais, il est où lui? Comment il s'appelle? Brume? Il y a quelque chose là-haut? Ah non. Pourquoi j'ai l'impression qu'il doit y avoir une salle quelque part et que j'ai raté quelque chose? On dirait que là, il y a une salle, mais... Parce qu'il y a une grille. On est d'accord que s'il y a une grille, c'est pour bloquer quelque chose pendant le fight. Ah, j'ai peut-être pas encore accès. Il faut peut-être que je nourrisse plus le... Notre enfant. Ah, bah je suis contente. Bon, bah on va aller souffrir sur Radiance. Hein. Je sais pas. Je crois que j'ai débloqué des flammes, ouais. Des flammes. Des flammes. Ouais, j'étais en train de me dire... Alors, dans la ruche, ben tiens. Bon, ça va, c'est pas trop loin de l'entrée. Au bassin ancestral. Ah non, c'est dans la pièce... Ah, c'est dans l'endroit de merde, là.
Ah, la baise. Ah, ça va être la baise, là. Donc, va falloir que je m'en charge sur le côté, parce que sinon, sur les plateformes, avec les autres merdouilles qui volent, ça va être pas terrible. Et dans le machin des champignons. Ah bah ça va, ils ont été gentils, ils l'ont pas mis à nid profond, pas directement. Bah j'étais en train de me dire, ouais j'irais bien là. Enfin techniquement c'est pas nid profond, c'est le cœur des champignons, que je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, bah alors écoutez, par contre on va remettre la boussole, parce que du coup... Oui, Bertha, Bretta, comment elle s'appelle? Oh la tête du truc. Est-ce que je garde ça du coup? Ouais, en taille rapide, je vais le garder pour les flammes. C'est pas une mauvaise idée. Il y en a une au nid? J'en ai pas vu au nid. Ah si! Ah, t'as raison, ouais, ouais, j'avais pas vu, et je regardais comme ça. Ok. Ah ouais, bah effectivement, oui, il y a le coléo, donc c'est pas loin. Bon, écoutez, on va faire celle-là. Après, je me retenterai bien Radiance, quand même, pour être honnête. Ouais, j'imagine qu'elle doit être plus rapide que les autres. Bon, ça va, je suis au banc de Dirtmouse. Ça pourrait être pire. Mais... Attendez, oh, ça va, il est 10h du mat, enfin 11h pour vous. J'ai pas commencé à être déjà déconcentré. Non, mais... Ah ouais. Je sais pas si je vais tout finir au niveau des flammes là maintenant, parce que j'ai envie de retry Radiance quand même. Radiance qui a l'air d'être une grosse drama queen, je sais pas pourquoi. Alors, Saint Player, j'en suis où dans l'histoire? Alors, j'ai battu les trois rêveurs. J'ai battu le Hollow Knight la première fois, donc juste après les rêveurs. J'ai fait le Palais Blanc, mais pas le Sentier des Souffrances. J'ai récupéré le charme de Cœur de Vide et j'ai fait la fin... Où en fait, bah, y a Ornette qui t'aide et qu'elle reste dans le temple avec toi. Je peux aller avoir le combat contre Radiance en frappant le Hollow Knight avec l'aiguillon des rêves. Mais pour l'instant, j'ai pas encore réussi à battre Radiance. Et autrement, il me reste... Ouais, j'ai vu, il a changé, il a grandi, il est plus grand. Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Il me reste le Colisée 3 à faire et tout le Panthéon. Après, il y a peut-être des choses que j'ai pas découvertes encore, mais je pense que c'est les machins principaux, là. Faut juste que je la trouve, la flamèche. Ouais, elle est pas très loin. J'espère que tu voulais pas découvrir le jeu, Saint Player, quand c'est full spoil. Oui, oui, par contre, ouais, désolé, effectivement. C'est... Bah, le fait qu'on me demande j'en suis où dans l'histoire, moi ça me laissait entendre que Saint Player connaît déjà l'histoire. Je sais pas si c'est il ou elle ou autre chose, t'hésite pas à me dire hein, quels sont tes pronoms. Du coup, je suis désolée si accidentellement je t'ai filé un gros spoil. Shadow Wonder, bah t'as loupé que j'ai enfin battu Grimm, pourquoi je vais là-dedans? T'as fini le jeu à 112% et fait le sentier et le Panthéon 5. D'accord, ok. Donc ça va, ouf, je t'ai pas spoilé. Parce que c'est vrai que ce genre de questions, moi, ça me fait penser que tu connais le jeu, que tu le connais bien. Et du coup... Bah, elle est où cette conne? Marf. Vous savez ce que je vais faire? Parce que je sais pas pourquoi je me connais. Je vais juste aller faire mon truc de bâtarde. Déjà ça. Ah oui, il n'y a pas de bon ici, c'est vrai. Oh bah Saint Player, merci pour le follow, c'est gentil. Bah bienvenue ici. Ouais, j'étais en train de me dire... j'ai juste mis le portail là, en fait c'est pour le cas où je tombe des plateformes que j'ai pas à me retenter tout le nid. Hein. Parce que j'ai la flemme de remonter. Est-ce que c'était dans celle-là? Non. Non, ça c'est là où il y avait Hera. Ouais, bah ouais, si c'est pas elle, ça va être l'autre. Ou quel est l'autre Mazo? Au cas là. Non, elle est où? C'est celle-là. Hop! Bon, c'est pas un mal.
Voilà pourquoi j'ai mis le portail. Parce que comme ça, je suis pas obligée de tout remonter à pied. Et puis, il est mieux ici, près d'une station de Coléo, qu'en plein milieu de Perpète les Glaoui, où je sais plus où je l'avais laissé. C'est une femelle. Tactique de flemmarde, mais complètement. Non, c'est pas celle-là, c'est celle où il y avait Hera. Putain, je m'y perds. Ouais, je cherche l'autre où il y a ceux qui sont ligotés et qui font « on n'a pas d'amis ». C'est ça. Ah! Tiens donc. Babala Geno. Babala Geno. Tu es venu. La flamme rouge que j'ai recueillie de ce royaume mort, tu la réclames pour notre maître, pour son acte final. Le rituel se joue une fois de plus. Nous sommes comme les nôtres dans une vieille, vieille chanson. Toi et moi. Mes chansons de sacrifice sans fin et répétitives, de servitude, pour le rituel, pour la troupe, pour le maître. Où il a le seum, lui. Même cet enfant est né emprisonné par des chaînes invisibles. Sego Nala. Nous servons. Cela en a toujours été ainsi, oui. Prends la flamme, alors. C'est bien la raison pour laquelle tu es venu ici. Ok. Baba Gondala. C'est fait, et pourtant, ce n'est pas seulement par chance que nous nous sommes rencontrés ici dans les profondeurs les plus sombres et les plus éloignées du monde, où l'œil écarlate du maître ne peut pas nous voir. Une chanson sans fin n'est pas une chanson du tout. Tu prends part au rituel, mais je sens que tu ne sers aucun maître. Est-ce bien vrai? Peut-être qu'en unissant nos forces, nous pourrions bannir cette flamme livide et laisser ce royaume mort reposer en paix. Si tu veux faire taire la chanson sans fin, rencontre-moi où ça a commencé. Ouais. Baba Gondala. Mais si tu souhaites continuer le rituel, tant que tu le feras sans aucun regret, je ne porterai aucune haine dans mon cœur à ton égard. Il manquait un bout, je crois. Baba Gondala. T'es moi ou il manque du texte? D'accord, donc a priori j'ai le choix de continuer à rassembler des flammes, ou alors je peux décider de pas le faire. Mais alors je ne sais pas, parce que bon là on m'a un peu spoilé là-dessus. Moi on m'a dit que si je le bannis pas pour le Panthéon c'est mieux. Donc je sais pas, vous savez quoi, je vais réfléchir sur ce point encore. Je vais pas prendre de décision là maintenant tout de suite. Je vais, tant qu'à être spoilée, j'irai me renseigner à fond, et puis voilà. Donc, je vais aller me charger de Radiance à la place, parce que là, je veux réfléchir un petit peu sur ça, plutôt que de faire les flammes là maintenant tout de suite. De toute façon, il me reste quoi? Il m'en reste 3. Ne le bannis pas, c'est expose to game, sinon au Panthéon, c'est trop facile. Ouais, mais justement... pour moi, ce serait bien que ce soit pas trop dur en Panthéon, parce que sinon, je finirai jamais le jeu. T'as un peu le souci. C'est un peu de facilité, me ferait pas de mal, hein, je vous cache pas. Il est quand même présent, même si tu le bannis. Ouais, je sais pas si c'était par rapport à ça, c'était plutôt par rapport à la récompense, j'ai l'impression. Je regarderai. En gros, il y a un boss en plus et un peu d'histoire si tu le fais les flammes. Et si tu le bannis, tu as un bonus au Panthéon. Panthéon 5 ne sert à rien pour le 112%. Ouais, mais je crois qu'il sert pour les fins qui restent. Moi, je sais pas. Alors bon, après, que les choses soient claires aussi. Surtout pour ceux qui viennent d'arriver. Je refais une game Hollow Knight en parallèle. Enfin, je vais en refaire une que je vais sans doute faire en stream aussi. Parce qu'il y a des choix qui sont mutuellement exclusifs. Et des achievements que je peux pas avoir dans une partie à cause de ça. Donc, je referai une game, et si je bannis Grimm dans la game là, je le bannis pas dans l'autre. Ou inversement. Par contre, je sais pas si je vais faire le Panthéon dans les deux games, hein, parce que la deuxième, elle sera plus pour les achievements qui me manquent. Je vais réfléchir. Je ne louperai pas. Je ne louperai pas le boss, puisque à ce moment-là, je l'aurai dans mon autre partie. Donc c'est pas... C'est pour ça que je disais que je vais pas forcément louper quoi que ce soit, quoi. J'aimerais bien... Là, je suis à 105. Attendez, je suis à combien?
Est-ce que du coup avec Grimm... Bah non, Grimm, j'ai pas fini, je pense que je suis encore à 105. Ah non, je suis à 106. Donc, alors, pour les succès, le 100%, j'aimerais bien, mais j'avoue que les machins genre speedrun, âme d'acier, 100%, je pense pas que j'aurai les capacités de le faire. J'essaierai, mais je pense pas que je vais y arriver. J'ai trouvé tous les maîtres d'armes. Oui, j'ai et ils m'ont filé toutes leurs techniques d'aiguillon. J'ai aussi tous les sorts upgradés, j'ai tous les masques, tous les réceptacles, et j'ai l'aiguillon maximum. Et j'ai récupéré ça pour le Panthéon. Speedrun peut-être, ouais, moins de 10 heures. La partie speedrun, si c'est juste les rêveurs et le Hollow Knight, à tenter. Il faudra que je me renseigne un petit peu sur comment optimiser speedrun, parce que j'ai jamais fait de speedrun de ma vie de façon générale. Mais c'est tentable. Âme d'acier, je dirais jusqu'au Mante, c'est faisable. Après, je sais pas. Parce que les Mantes, il y a quand même... En taille éclair, je sais pas comment l'utiliser. Mais moi, j'ai du mal à les utiliser parce que c'est... Je sais que tu peux le charger pendant que tu cours, tout ça. Mais celui-là, j'arrive à peu près à charger, mais alors les autres... Ouais. Le problème, c'est de faire ça pendant un combat de boss, en fait. Moins de 5 heures, c'est Rêveur Hollow Knight. Ouais, c'est ça. Donc je pense que t'as pas le temps de récupérer tous les charmes et tu y vas avec ta bite et ton couteau, comme on dit, quoi. Moi, j'ai envie de tenter Radiance, quand même. Parce que je me dis, je préfère tenter quelquefois un boss et après faire autre chose et revenir ensuite plutôt que de me dégoûter d'un boss spécifique. Par contre, Radiance, alors j'ai pas la combo de charme qu'il faut. Je vais réfléchir pour Grimm, si je le bannis ou pas. Je vais encore réfléchir, j'ai pas envie de décider ça là maintenant tout de suite. Parce que... Comme dit, je vous cache pas, le Panthéon, je mets toutes les chances de mon côté. Vous avez vu mon skill, alors 5 players, tu viens d'arriver. Mais Grimm, c'était pas la première fois que je le tentais, ça fait genre 15 ou 20 fois. Hein. Donc c'est juste pour dire que j'ai amélioré mon skill depuis le début du jeu. Mais c'est une croissance comme ça d'amélioration, c'est pas exponentiel. Toi, tu votes non pour le bannir. Bah, je verrai. De toute façon, comme dit, dans un cas comme dans l'autre, je le ferai dans un des deux games. C'est inévitable. Et le deuxième game, je pense que je progressais aussi plus rapidement, quoi. Faut juste s'habituer au plus. Je réfléchirai. C'est pas tellement le fait que si Grimm est oui ou non au Panthéon, ça, à la limite, je m'en fous. C'est plus par rapport à... Je sais pas ce que ça donne comme récompense. Et je sais pas si c'est ça qui pourrait aider au Panthéon. Parce que comme dit, je vous avoue que le Panthéon... Si je peux le faire en mode try-hard et pas en mode try-extra-hard, ce serait bien aussi. J'ai enlevé quoi là? En taille rapide? En taille rapide pour Radiance, ça pourrait être cool, non? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que j'avais noté? En taille rapide... Ça pour Radiance, je pense pas. À moins que je lui dash littéralement dans la figure après un double saut. Mais autrement, au sol, c'est pas la peine. La vie, le charme de life. Non, c'est pas celui-là. Longue lame, je l'ai pris. Porteur de rêve pour gratter en âme quand j'arrive enfin à frapper. Essayez God of War, ça part de la mythologie comme Hadès. Ah, alors God of War, j'ai un peu joué au tout premier. Au tout premier, mais c'était pas chez moi, c'était chez une amie, donc bah, je pouvais jouer que de temps en temps. Donc j'ai jamais fini le jeu, quoi. Le Panthéon 5, c'est ultra dur, même sans Grimm Nightmare. Le Grimm Nightmare, ça change pas trop. Ouais, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir, j'irai regarder. Là, par contre, comme j'ai déjà été un peu spoilé là-dessus, j'irai regarder. Parce que, comme dit, moi, j'avais... Ce que j'avais trouvé, c'était... En faisant une petite recherche très rapide, c'était des posts qui disaient que ouais, non, il vaut mieux faire Grimm et tout, ne le bannis pas, c'est mieux. Ok, Vlasco, ben, merci pour ton resub. Et bonjour, comment vas-tu? Je sais pas si vous avez entendu la petite alerte, parce que entre la musique, moi qui parle et le bruit de Saloubra, mais mes alertes de sub et de resub, c'est les chenilles qui font... Voilà.
Tu dois aller travailler, tu re peut-être après. Eh ben écoute, bon travail Shadow Wonder, et peut-être à tout à l'heure, ouais. Le stream s'arrête pas là tout de suite, hein, je vous rassure. Je vais encore aller faire quelques trucs. C'est... En général, le dimanche, c'est entre 3 et 4 heures de stream à peu près. Sauf le palais blanc où là j'ai fait le forcing. Et, les poupies, ouais, les poupies, les pipous. Moi j'ai passé à les pipous, c'est trop chou. C'est trop choupi. J'étais en train de me dire un truc, ouais. Donc par rapport à Grimm, j'avais trouvé des posts qui disaient non, ne le bannis pas, la récompense. Si tu le bannis, la récompense est nulle. Mais ça, c'était pré-Godmaster. Et du coup, par rapport au Panthéon, je sais pas si la récompense va changer quelque chose. Donc c'est pour ça, en fait, que j'y pense. Ouais, en Sainte Player, hein, je réitère. Donc ici, c'est le stream petit skill. C'est mon premier Metroidvania et j'ai pas fait de platformer depuis Sonic 2 sur Mega Drive. Donc, ça progresse, mais tout petit. Mais c'est bien parce que j'ai d'autant plus de satisfaction quand j'arrive enfin à quelque chose. Je me dis, oui, je peux le faire. Je peux. Ah oui, donc Fantasy qui dit bonjour à Zela et qui Vlasco. Ben écoutez, est-ce que je resterai pas sur ça pour les charmes? C'est vrai que du coup, je peux me permettre de mettre le porteur de rêve. Le chant des larves et tout ça, je vais pas le mettre parce que les trucs de revenge sur Radiance, il faut juste pas se faire frapper en fait. Dans HK, tout est une question de temps. Ouais, ouais, ouais. C'est juste que moi, je mets beaucoup de temps. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on y arrive. Il reste plus à voir. On va finir ça avant d'y aller. Oh! Je vais faire autre chose avant d'aller au temple, hein, puisque c'est sur la route. Je crois, si je me souviens bien, c'est est-ce que j'ai pas les petits machins d'infection, ceux qu'on trouve dans le bassin ancestral, mais là, il y en a plus. Enfin, en tout cas, j'en ai pas revu. Voilà, allez mourir ailleurs. Je sais pas s'il explose, lui. Je crois pas, hein. Non, il explose pas. Je récupère même plus les JO, regardez-moi ça. Voilà, c'est ça que je veux. Parce que je pense que j'en ai besoin pour le journal du chasseur. Bloc parasite, il m'en faut 6 de plus. Voilà, donc comme ça, j'en récupère quelques-uns au passage. Ça respawn. Ah, les pics! Les picots! Après Radiance, on se fait un peu de journal. Bah pourquoi pas, ouais! Après, est-ce que c'est pas des trucs au Colisée où il faut que j'y aille? Je sais qu'il me manquait les machins électriques. Mais ça, du coup, j'y suis juste allée parce que c'est à côté du temple. Hein. Ouais, je pense pas qu'elle me dise quelque chose de nouveau, elle. Ouais. En fait, je crois que c'est ça, hein, pour la mauvaise fin, c'est que quand on frappe le Hollow Knight avec l'aiguillon normal... Je crois que elle, ça l'assomme, entre guillemets, pendant la frappe. Et du coup, ben, elle se retrouve consumée, comme elle dit, quoi. Et c'est pour ça qu'elle reste enfermée dans le temple. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une interprétation débile, j'en sais rien. J'aurais dû prendre le cristal d'âge ou pas. Est-ce que c'est un coup atterrir dans le temple comme une grosse débile? Ok, bah écoutez, on va... Ah bah oui, ouais, j'ai pas gardé l'entaille rapide. L'entaille rapide, pardon, l'entaille rapide. Là, t'as plus de trucs que tu dois tuer au Panthéon, sauf les trucs électriques. Tu veux dire au Panthéon, j'ai plus de trucs que au Colisée? Ah ouais. Ah, je sais pourquoi, à la base, je m'étais noté le... L'ombre tranchante, c'était par rapport au Hollow Knight. On va essayer sans. De toute façon, c'est pareil, il va falloir que j'esquive. Colisée, ok. Ouais, ça doit être ça. Ah zut, pas dans le bon sens. Ah! Je vais me faire avoir à chaque fois. On va lui mettre des sorts, hein, ça ira un peu mieux. Bonjour, j'ai pas estimé la distance de mon truc. Le Hollow Knight, il fait tout le temps stress, hein, toujours. Hein. Bon. J'ai pris des coups un petit peu pour rien, hein, je vous cache pas, c'est un peu dommage, mais bon.
Allez, viens. Ah, j'ai plus d'âme, là. Ah! En fait, elle est pas difficile, cette attaque. Faut juste bien la prévoir, quoi. Ah, zut. Là, je me suis fait eu. Ok. Je crois que c'est la troisième phase. Je vais essayer de me soigner un peu quand même. Alors moi je suis spécialiste de lui marcher dessus au moment où il fait ça. Bon, heureusement je commence un petit peu à le connaître le Knight là. Marqué, ça empêchera pas, hein. Je vais quand même me prendre des coups parce que c'est moi. Ah, bah voilà. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis débile. Ok, là faut que j'évite ça. Bon, désolé, hein, du coup, j'essaye d'être concentré parce que ce serait con. C'est pas lui que je veux battre en fait, c'est Radiance. Pourquoi j'essaie de me soigner maintenant? Je suis débile. Allez, frangin. Je t'aime bien, tu sais, j'ai envie de te faire un gros câlin, mais... Ok. Ah bah j'aurais dû garder de l'âme, moi. Get good. Bon, bah ça va, le Hollow Knight. Je me suis quand même améliorée sur le truc. Je suis pas morte 15 fois avant de... Ok. Ça m'éclate toujours ce moment. J'ai pas déjà vu d'ailleurs. Mais elle est classe cette scène. Elle est classe. Bon, Radiance ressemble à rien, mais. Radiance! Regardez-moi ça, quoi! Alors. Là, faut que j'évite. Est-ce que c'est ses rayons? C'est ses épées? Non! Putain. Ah! Faut que je le recherche, ce truc. Mais non! Ah, j'ai trop de mal, là, sur ce coup-là. Oh là là. Ouais, non. Le poids, c'est magnifique. Moi, je trouve qu'il ressemble à rien, mais bon. Non, Radiance, j'ai vraiment toujours du mal, hein. C'est... Le combat est classe, hein. Mais... Mais il ressemble à rien. Enfin, après... D'ailleurs, vous savez, Radiance, c'est elle. Radiance. C'est pour ça. C'est pour ça que je mettais les boss flashy, quoi. Parce que franchement... Ouais, donc en fait, effectivement, si j'ai pas le dash qui fait des dégâts sur le Hollow Knight, ça va quand même. Faut juste pas que je fasse la débile. C'est vrai que ça fait deux boss pour le prix d'un coup sur coup, donc... Viens là. Putain. Voilà, ça c'était débile, mais c'est pas grave. Ouais, je suis pas concentrée là, hein. Moi, je suis déjà contre Radiance dans ma tête là. On va se soigner un peu quand même, ce sera dommage de mourir comment. Ah! Non! Comment gaspiller de l'âme connement? Ouais, c'est peut-être mal se finir celui-là, je sais pas. Hein. Parce que je fais un peu de la merde.
Ok. Ah, j'aurais dû me soigner, tant pis. Je peux le faire une fois. Putain. Oh là là, oh ouais, non, là, je suis pas dans le truc. Bien. Oh là là, le pauvre. Je suis désolée, mais ce boss, il, je le trouve horriblement triste. Je sais pas pour vous. Putain. Non, mais sérieux, là. Ok. On arrive, je crois, sur la dernière phase, si je me trompe pas. Ouais. Super. Ok, Radiance, c'est une fille. Ouais. Pas trop fan de Radiance. Radiance, c'est une drama queen, quoi. Moi, je dis elle parce que la lumière, quoi, mais. Putain. Ah, j'étais pas assez rapide. Heureusement qu'il y a le dash de l'ombre. Hein. Radiance, sans ça, ce serait juste. Juste la grosse merde. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Mais... Ok... Non! Ouais, je pense que j'ai pas duré longtemps contre elle, malheureusement. Je sais qu'il faut esquiver. Ouais, l'histoire de boss est horriblement triste, c'est ça, quoi. Puis c'est triste pour toi aussi quand tu te rends compte que tu joues quelque part son petit frère qui a été rejeté dans les poubelles avec les cadavres des milliers d'autres. C'est triste. Ok, ouais, bah Radiance, il faut que j'esquive, hein. J'espère qu'elle a pas trop de PV, mais à mon avis c'est un sac à PV celle-là. Je sais pas pourquoi. Je suis trop ragée sur Radiance pour l'aimer vraiment, je l'aime comme on aime un ennemi redoutable. Ouais. Tu m'étonnes. Elle, quand je l'aurai battue, ça va être cool, quoi. Bien. Putain. Ça, c'était débile. C'était un coup, mais vraiment pour des queues. Je sais pas ce que c'est, ce reflet sur son épée quand il fait ça. Ok, un petit coup. Tranquille. Okay. Nah, pas comme ça. Bon, ça c'était un peu débile aussi, mais c'est pas grave. Pour être pire. Ah! Non! Qu'est-ce que je fais? D'accord, donc si là... J'arrive à le cogner, en fait, il part et il fait un coup direct après. Parce que je le frappe assez rarement quand il est dans cette situation, on va dire. Mais attendez, en fait, je crois que ça lui fait quasi pas de dégâts quand je le frappe là. Hein. C'est juste pour moi pour récupérer de l'âme, on est d'accord. Hein. Parce que j'ai pas l'impression que ça lui fasse beaucoup de dégâts. Oh, j'ai même pas été frappée par le dernier petit machin. C'est ça, si... Non! Si je le frappe à ce moment-là... Il me le rend bien, on va dire. Ouais, celui-là, faut pas que je fasse deux dash d'affilée, faut que je le fasse dans l'autre sens. Pff. C'était nul. Ça, c'était nul de chez nul. Ça aussi. Bon, je grille un peu là. Hein. Je devrais peut-être pas en fait. Allez. Non, ça va. Veilleur, c'est un des boss les plus durs. Ah ouais, il était chiant. Ouais. J'ai eu du mal avec eux, surtout que j'ai découvert qu'on pouvait faire tomber du sur deux d'entre eux. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je sais plus combien de temps il m'a fallu, mais attends, si je parle en même temps, je vais pas arriver à grand chose.
Mais non! Bonjour, je dash dans le mauvais sens parce que pourquoi pas, c'est une bonne idée de dasher dans le mauvais sens, hein. Aïe. J'ai vraiment des réflexes de merde, hein. Mais tu veux pas rester en place, toi, là? Non, je vais me faire bolosser sur ce coup-là, j'arrive pas à lui faire assez de dégâts. Comme ça, c'est pas un mauvais moment pour frapper entre les rayons. Titilou, bonjour à toi. Bah, tu viens me voir me faire bolosser, c'est comme d'hab, hein. Mais j'ai eu Grimm. J'ai eu Grimm, quand même. Ouais, les veilleurs, je sais pas combien de temps j'avais mis, mais il m'a fallu quelques essais, hein. C'est, à mon avis, une bonne dizaine, voire plus. C'est... Je sais pas, peut-être plus. 15, je sais pas. C'était... Mais heureusement qu'il y a le lustre, on est d'accord. Ça, c'était une très très bonne chose. Ok. Bon, ben... pas retourner se faire bolosser, hein. Mais en vrai, j'aime bien le combat contre le Hollow Knight lui-même, donc ça va. C'est... Une fois qu'on a compris comment il fonctionne... Les seuls dégâts que je me prends, c'est parce que je suis pas concentrée, quoi. Genre ça... Voilà. Puis au sort, ça passe bien. Non ! T'es débile ! Ouais, non mais attendez, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Je fais Nawak ? Oh non mais oh. Non 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 mais là ça va pas là. Mais je suis débile, hein. Non mais attendez, je suis complètement débile, là. Je vais me faire crever là-dessus, en fait, pour des queues. Je vais quand même pas crever là-dessus, moi. Non mais regardez-moi ça. Ah ouais, non, mais alors là, ça, c'est idiot. T'arrives au meilleur moment. Ouais, t'es arrivé au moment où j'avais battu Grimm, donc t'as eu de la chance, t'as pas vu toute la nullité qui a précédé. Bien joué pour Grimm. Alors t'as vu, il faut pas le frapper au début. Bah, j'imagine qu'on peut, mais j'ai pas vu l'intérêt. Parce que... Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, j'ai besoin de me mettre dans le rythme. Et ça passe mieux quand je le frappe pas. Il se plante avec son aiguillon. Ouais, ouais, il se plante avec son aiguillon. J'ai vu le Hollow Knight, il reprend toutes les attaques des boss. Toutes les attaques des boss, c'est-à-dire. Dans quel sens? Enfin, les attaques de quel boss? De tous les boss ou... Bon, désolé pour ce petit interlude où j'ai crevé connement parce que je parlais et je faisais pas gaffe à ce que je faisais. Comme d'hab. Ok, viens là. Viens là, toi. Mais... Ah, mais je fais n'importe quoi, hein. Ok. Je sais que je pourrais le frapper, mais en vrai... Ah, j'ai plus d'âme. Par le fait que j'ai plus d'âme. Faut vraiment que j'arrête mes conneries là. Mais... Non mais oh. Non mais ça va là. Mais t'as... Ça va? Je te dérange pas? Non mais... Il s'y croit trop, hein. Ah là là. Mais... Pourquoi j'arrive pas à frapper, moi? Qu'est-ce que je fais? Pff.
Ouais, en fait, je crois qu'il se frappe avec son aiguillon pour prendre de l'infection, un truc comme ça. Parce que après, à chaque fois, il me balance ses attaques de boules, là. Et puis ça, quoi. Mais je préfère mon interprétation de ce qu'il a encore une once de, appelons ça, d'humanité. Et que il se frappe pour s'empêcher de te faire du mal. Mais je pense pas que c'est ça, malheureusement. Je pense que c'est... Ouais. Enfin, je sais pas. Il se plante pour faire sortir Radiance. Ouais, alors voilà, du coup, dans quel but? Pour la libérer ou pour que tu la battes? C'est plus la question. Mais j'aime bien l'idée de... En fait, il t'aide parce qu'il lui reste un bout, quoi. Mais... Non, mais si je lâche pas dans le bon sens, ça va pas le faire, hein. Putain. Ouais. En fait, ce combat, faut vraiment que je sois concentrée plus sur l'esquive que sur autre chose, hein. Mais j'ai pas esquivé, là. Non. Putain. Oh non, mais ça va être vite vu, Radiance, hein. Oh là là. Putain. Non mais si je dash pas dans le bon sens, si je refais un live vers 14h, non, j'ai partie de jeu de rôle cet après-midi, donc cet après-midi je fais pas de live. C'est pour ça en général je le fais le dimanche matin, parce que pour la libérer sûrement, ouais, possible. J'aimais bien mon interprétation quand même. C'est un arbre qui n'est pas bien de le laisser en vie, quoi. Ah, c'est là où tu le frappais au début, Grim, ça te donnait l'impression de prendre l'ascendant psychologique sur lui en le mettant en colère. C'est vrai qu'il est là, il fait « Ah, tu oses me frapper pendant ma révérence !» Mais c'est ça, en fait. Je crois qu'il est juste vexé. Oh là là, mais Radiant, ça me prend des plombes, hein. Je dirais bien, je m'entraînerai en dehors du stream, mais c'est un coup à ce que je la batte en dehors du stream aussi, l'air de rien, là, comme ça, au calme. Donc, viens là. Viens là. Viens là. Bon, je vais prendre mon temps avec le Hollow Knight. Hein. Ouais, bon. Vous pouvez pas avoir un combat propre du début à la fin. Hein. Bon là par contre, entre les piliers, je crois que j'ai pas le temps de me soigner. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Viens là, viens là. J'étais pas au bon endroit. J'étais pas au bon endroit. Bon, me soigner juste à côté de lui, je sais pas si c'est le meilleur des trucs non plus, mais... Ok, alors. Bon, regardez comme j'attends là, tranquille. L'air de rien. Hein, parce que pourquoi pas. Ça marche bien, hein. Ok. Voilà, moi je veux juste de l'âme pour me soigner, en fait. J'ai vraiment un talent pour foncer sur ces trucs, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ok, je suis un peu dans le coin, c'est pas génial. Non ! Je vais me prendre des dégâts comme de la merde sur ça, mais regardez-moi ce truc. Mais je pense qu'on arrive sur la fin, là, donc... Voilà. Ne surtout pas le frapper autrement. Et le frapper vite. 3 essais, tu l'as vaincu, Radiance. Bah cool, hein. C'est pas toi qui avais passé une heure à l'esquiver, ou je confonds avec quelqu'un d'autre, hein. Il m'envoie quoi, là, cette fois? Les épées. Putain. Pas dans le bon sens. Le pire, c'est que... En soi, ces attaques sont pas forcément les plus difficiles, mais ça va vite.
Et il faut vraiment charger le Shadow Dash au bon moment, quoi. Genre là, j'ai essayé de passer entre avec un saut normal. Mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que... C'était quoi, ça? Ah! Ah, la salope! Ah ouais, d'accord. Bah, ça veut dire... Il y a une attaque en plus, ça veut dire que je suis dans une autre phase. Je n'y suis jamais arrivée jusqu'à présent. Ah mais tu la trouves pas compliquée, mais ouais, elle a pas l'air compliquée, on est d'accord. Après, tu sais, entre ce qui est pas compliqué et puis avoir les bons réflexes, bah, malheureusement, il y a tout un monde. Non, non, elle est pas compliquée au niveau de ses patterns. Genre, ses épées, ses trucs de lumière, t'as le temps de les voir venir. En soi. Ton cerveau, il fait « Ah, il y a ça qui arrive !» Mais après, faut réagir à temps. T'as mis un coup de stress, Fantasy, je me souviens plus de l'heure de ton live, mais yes, j'attends la suite de l'histoire. Ah, c'est quoi? C'est The Wolf Among Us que tu fais? C'est une autre attaque. Ouais, mais je veux dire, en général, quand ils rajoutent des attaques après, c'est qu'il y a un truc qui a évolué, non? Moi, je sais pas. Mais je la connaissais pas, cette attaque. J'étais jamais arrivée suffisamment loin pour qu'elle me la case. C'est plutôt ça, quoi. Bon, je vais tenter encore une fois, et puis après, je vais faire une pause pipi, je crois. Vous savez quoi? Non, je vais y aller tout de suite. Je reviens dans 2 minutes, parce que là, j'ai besoin de me concentrer. La bagarre! Ouais, Blood Monday, t'as trop raison! La bagarre! Ah! 3 phases en Radiance. C'est déjà pas mal, c'est déjà trop. Donc Blood Monday, je te dis bonjour. Je vous laisse juste 2 minutes, je vais aux toilettes. Et puis après, je vais... Je vais mettre en pause, on sait jamais. Que si je reste là comme une grosse débile avec le Hollow Knight à côté, c'est pas cool. Ah, par contre, du coup, Blood Monday, si tu connais pas le jeu ou que tu veux le faire, et là, ça, c'est spoil. Hein. Donc, je reviens. Moi, je j'arrête. Je vais me comparer aux autres parce que... Et hop, je suis là. Au sein du spoil, si je veux pas être spoil sur un jeu, je vais pas sur le stream où ça affiche le jeu, c'est pas fou. C'est pas fou. Fantasy, tu vas essayer de le finir aujourd'hui. Il y a un jeu que tu viens de découvrir et que tu voudrais tester. Ah, Inmate. Je sais pas pourquoi tu as tag Akas, mais... Inmost. Ah oui, tu voulais taguer Azale. Ben, on va y retourner, hein. Parce que Radiant, ça va être du tryhard. Pour pas changer. Allez. Ah, la musique, elle est géniale. Faut pas dire le contraire. Viens là. Je vais pas utiliser mon dash pour ça, mais c'est pas grave. Débilos. Ouais, c'est ça, si on le frappe à ce moment-là... Mais... Il réplique tout de suite. Bon, c'est bien, je l'ai touché, mais... J'ai quand même perdu de la life, pas grand-chose. Ah, j'ai plus d'âme. On esquive un peu. Hein. Je suis désolée, je prends mon temps pour ce boss parce que... Le truc, en fait, c'est pas lui que je vise, on est d'accord. C'est le boss qui vient après. Et elle, malheureusement, ça va être autre chose. Voilà. C'était pas cool. Je voulais pas le frapper maintenant.
Mais il n'y avait pas trop le choix, de toute façon. C'était ça ou attendre bêtement. Mais... Mais... Bon bah j'ai envie de vous soigner, hein, désolé. Tant que ça serve, hein. Je deviens pas trop mauvaise pour esquiver ces merdes, mais bon... Pas trop. Voilà. Pas trop mauvaise. Il y a quand même toujours une ou deux qui touchent. J'ai temps de mettre une deuxième, ouais. Je vais mettre une deuxième petite buff, là, l'air de rien. C'est vrai que c'est beaucoup d'esquive pour le coup. C'était pas le moment de le frapper, mais c'est pas grave. De course à faire, je reviens d'ici 15 petites minutes. Soyez sages et ne spoilez pas. Bah, bonne course, Fantasy. Bonne course à toi. Bon, allez, la drama queen. Bah, dis donc, ça commence bien. J'essaye même pas de la frapper avec l'aiguillon des rêves pour voir ce que ça fait, hein, parce que... Bizarrement, je pense que ça a pas bien marché. J'essaierai bien de lui balancer des sorts, mais je suis pas au bon endroit. Ok, donc faut que je me méfie de son autre attaque. Non ! Pas du bon côté. J'arrive pas à me retourner assez vite. Hein. Ah ! D'accord, là j'ai mal estimé la grosseur du rayon. De toute façon, là où j'en suis, il n'y a plus trop de choses à spoil. Ouais, Jeunesse Business a tout à fait raison. Là, c'est... Bah, même le Panthéon, en fait, quelque part, ça va être bah, les boss que j'ai déjà fait. Donc au final, oui, je m'en doute, quoi. Je m'en doute que bah, c'est un boss rush, donc... Ça, je sais même pas si ça compte encore comme du spoil à ce niveau-là, de me dire « Ah, tu vas affronter des boss !» Bon. En fait, là, c'est cool parce que le Hollow Knight, je m'entraîne pour le speedrun et le l'âme d'acier, hein. À force de le battre 50 millions de fois pour avoir Radiance. C'est peut-être le boss sur lequel je me serais le plus entraîné. Bon, il y a toujours une connerie comme ça dans l'affaire, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Toujours une connerie. Ok, bien là. Mais... Je suis partie trop tôt. Mais non, mais regardez-moi ça! Pourquoi je fais de la merde une fois sur deux? Alors pourtant je le connais ce fight. Donc comme quoi, même quand on connaît le fight en question, bah je fais de la merde quand même. Donc ça c'est mon skill. C'est tout un art de savoir faire ça, je vous le garantis. Moi je reste là à côté tranquille, hein, peinard, parce que après tout c'est bien, c'est confortable, il fait chaud, il y a de l'infection, c'est orange. J'aime bien l'orange tout ça. Non? Pas vous? Bon, on va essayer de l'avoir là. Je sais même si c'est phase 2 ou c'est phase 3 celle-là. Bon. Je me demandais pas pourquoi je fais des bruits, ça me donne juste l'impression que je peux les éviter plus facilement. Même si c'est pas vrai. Ah, j'étais trop loin. Trop près. J'aurais mieux de me soigner encore que. Faut juste que j'évite ça, dit-elle en fonçant dans les boules oranges parce que c'est joli, ça brille, shiny. Tout ça. Et sur celle-là qu'il y a Hornet qui arrive, je crois. Ouais. Bingo. Il y a toujours moyen de spoiler, il me semble qu'il manque une cinématique de fin en plus de celle de Radiance, j'entends. Ah, c'est fort possible, ouais. Bah je sais qu'il y a 5 ou 6 fins et j'en ai pour l'instant 2.
Radiance. Ok. Là, faut vraiment au poil de cul, ce truc, hein. Ok. Ouais, là, je suis rapparée. Ah! Oh! Ouais, alors ça, c'est clairement le combat. Ça va être impossible que je lise le chat en même temps. Mais genre, vraiment impossible. Donc, m'en voudrez pas sur les combats Radiance. Ben, va falloir que je vous ignore, hélas. Putain. Ouais, de toute façon, ça va être vite vu. Oh là là. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Donc les trucs, ils changent de côté. Ok. Bah, en même temps, cette attaque, c'est que la deuxième fois que je la vois. Donc il m'en faudra 20 de plus pour proprement l'analyser. Team vieux. Alors, bon, on y retourne, hein. Bah, en vrai, c'est aussi pour ça que je veux refaire une partie en parallèle où je recommence le jeu. Parce que sinon, tous mes streams Hollow Knight, ça va être j'essaye 40 fois le même boss et ça risque d'être chiant pour vous au bout d'un moment. Enfin, je pense. Je sais pas quoi faire avec mes 7300 GO là. Pourrait être cool d'en faire quelque chose, mais. On va l'avoir avec des sorts, lui, ça va être plus simple. Viens là. Pff. Bravo. Comment gâcher mon dash pour rien? Pourquoi il y a toujours de la merde? Pourquoi je fais toujours de la merde à un moment donné ou à un autre? C'est hallucinant, hein. J'ai absolument une incapacité totale à faire des combats propres, en fait. Dans des combats no hit, ça marche juste pas, quoi. Je sais pas comment, j'admire les gens qui font ça, moi. Pas dans le bon sens. Je sais qu'il fait. Vous voyez pourquoi je reproche pas aux gens quand ils disent merde ou putain dans le chat, parce que moi je le dis à chaque fois que je me prends un coup, c'est-à-dire tout le temps. Alors, on va essayer de se soigner un peu là. Ah oui, il commence comme ça, d'accord. Ah mais cette musique, elle est terrible. Et est trop belle. Ça va trop bien avec ce côté où on sait que c'est forcément la merde et puis que nos persos finiront mal, tout ça. Comme lui. On finira comme lui, j'imagine. Ah bah voilà, c'est celle-là que j'attendais, moi. J'étais prête à ça. Je suis où? Ah, je suis là. Donc là, elle dure moins longtemps, on est d'accord, hein. Je vais t'avoir à coup de sort, ça va être plus simple. Voilà. Merci Ornette. J'ai fini le Panthéon 1 ? Non. Non, non. Je n'ai pas fini le Panthéon 1, je l'ai à peine commencé. En fait, c'est ça, j'ai passé mon temps à esquiver, hein. Je suis pas sûre que je peux passer entre deux épées, si je peux, mais c'est au poil de cul près, faut vraiment que je fasse gaffe. On m'en envoie encore là, ouais. Putain. Le dash, c'est vraiment la longueur des épées, hein. Pas plus, pas moins. D'accord. Il faudra que je fasse.
Limite, je peux même pas faire attention là où elle est, hein. C'est... Oh là là. Ouais, non. Oh non, ces rayons, ils prennent plus de place que ce que je crois, en fait. Après, Radiance, on se fait un peu de journal, ça va nous détendre. On verra, bah, c'est-à-dire, si le journal, ça veut dire aller au Colisée, je sais pas si je vais appeler ça de la détente, hein. Par contre, je peux aller chercher des petites bouboules. Mais Radiance, de toute façon, je suis désolée, ça va prendre du temps, hein. Ça va pas être fait en 3 fois, là. Je crois que ça doit être la 15e fois que j'essaye. J'arrête de compter, en vrai. C'est pour ça qu'il n'y a pas de compteur de mort sur ce stream, parce que c'est... Je devrais être à la 1000e mort ou un truc comme ça. En comptant tous les boss. Non mais, pareil, on me disait, t'es sûr que tu veux faire Radiance maintenant? Mais je dis, bah je sais pas, je la fais quand? Mais, il est pas rechargé ce bâtiment. T'es où? Viens là. Non mais décidément, hein. Ah, je l'attends, hein. Mais c'est quoi la longueur du dash, bordel? À chaque fois, je crois que je l'ai, en fait, non. Ouais, bah ouais, bah, moi j'ai pas de quoi me soigner, évidemment. Putain, non, j'aurais dû passer au travers, là, en fait. Je vais me faire crever sur ça, c'est pas possible. Pas me faire crever sur le Hollow Knight. Bon, je laisse se poutrer tranquille. Putain. Je le sais, en plus, qui fait ça. Je le sais. Et je me fais quand même à chaque fois avoir. Bon, on va esquiver ça. Tout va bien. Ouais, j'ai pas couru dans les jambes pour une fois, ça change. Ok, bon bah là, pas le choix. Mais je pense que là, je suis sur la fin. Ouais, c'est ça, quand il le fait la deuxième fois, c'est là qu'il y a Hornet qui arrive. Radiance, ouais, 22 880 Naofaezeo, c'est ça. Vraiment que je la bourre, hein. Putain. Mais... J'ai une estimation des grosseurs et des distances, c'est de la merde, hein. Je vous assure, hein. En vrai, ceux-là, je devrais pouvoir les esquiver. Comme ça, oups. J'ai rien dit. Ça va trop vite! Ça va trop vite pour moi! J'ai pas de réflexe! Ah. Je voudrais quand même au moins avoir la fin avec Radiance, quoi. Si je fais pas les 5 fins, tant pis, mais au moins 3, quoi. Histoire d'avoir les achievements. Non, mais en vrai, je suis désolée pour Grim machin, mais je pense que je prendrai la version qui me facilitera la vie au Panthéon. Hein. Alors, rien à foutre de l'honneur et de la difficulté ou autre chose. Alors là. Je pense que j'ai déjà... C'est le jeu le plus dur que j'ai fait en 40 ans, donc je pense que ça va, j'ai déjà payé ma dette. Ah non, parce que là... je veux bien tryhard 40 fois, mais pas non plus 98 000. Ouais. Donc, en bref, quand je balance un sort, je peux pas lancer le dash tout de suite après, ok? Bon, bah d'accord, je devrais le savoir, pourquoi je continue de le faire. Mais je suis vraiment une merde, hein, c'est pas possible. Mais sérieusement. Voilà, viens. Bon, maintenant j'ai plus de sort, malheureusement. Premier essai avec le cœur de vide, premier essai, tu rigoles. Ça doit être le 40e, là.
Oh non, y a absolument aucun first try hein, pour moi. C'est... Le seul first try que j'ai dû faire, ça devait être un petit insecte à la con à vers chemin, quoi. Et encore ? Bon. En vrai, je m'inquiétais de garder pas assez d'âmes pour Radiance, mais je pense que on s'en fout. Parce que... De toute façon, j'ai pas le temps de lui balancer des sorts à elle. Hein. Vas-y, gueule. Hop, petit pédale. Mais... Je pense qu'il y aura l'autre attaque du coup avec ça, voilà. Aïe, 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 ça passe, ça passe. Ça change. Mis à part, je savais qu'il allait faire ça, hein. Mais... Ah. Je connais une fin secrète ultra dure à voir. Donc, impossible pour moi. Tu veux y aller? Bonne journée, Azeila. Ben, bon appétit, ouais, vu l'heure. Tut. C'est maintenant que j'ai une équipe grate, évidemment. Je sais même pas pourquoi j'essaye encore, mais... Parce que je peux pas abandonner. Parce que ce serait nul d'abandonner. Comment je peux faire des sauts en longueur sans utiliser le dash de l'ombre? C'est pas évident, hein. Il a pas duré... Ouais, non, d'accord. Non, pas particulièrement, parce que je l'aurais jamais, en fait. Fin secrète ultra dure à avoir. Bah déjà, est-ce que c'est une fin où il faut que je fasse le Panthéon? Enfin, est-ce que c'est une fin que je risque de faire maintenant? Je pense pas, donc limite ça peut attendre quand j'y serai. Ouais. Faut garder Suluki pour être sûr de pas prendre 10 ans pour la faire. Revenez chez The Wonder. T'as vu, je suis encore là, j'ai toujours pas battu Radiance, t'as rien raté. Y a pas de Panthéon. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais... Je veux dire, à ce niveau-là, je suis tellement dans le tryhard qu'effectivement, il n'y a plus grand-chose à spoiler. Ouais, je vais y arriver, mais je mettrai 50 et ça, quoi. Mais c'est pas grave. Pourquoi j'ai le nez qui me gratte? J'en ai marre, j'arrive pas à me concentrer, moi, avec ces trucs. Je sais que c'est pas une excuse, mais... Attends qu'ils viennent, hein, c'est plus simple. Voilà. Maintenant, faut que je cogne un peu. Ok. C'est vrai que du coup, comme j'ai pas le dash qui fait des dégâts, bah forcément, ça prend un peu plus de temps. Ouais, je voulais essayer de le frapper par le haut, mais ça n'a pas bien marché. Non, pourquoi tu te téléportes? Pourquoi qu'il se téléporte, le méchant? Ça va, je suis entre. Super. Je suis pas entre. C'est pas grave. Mais je suis allée dans quel sens, moi? C'est clair que si mon dash il va pas dans le bon sens, hein, parce que je suis pas foutu de définir ma gauche de ma droite, ça va pas le faire. Hein. Oh, j'ai réussi à l'esquiver quand il faisait ça, c'était beau. Moi je dis à tout le monde, apprenez à frapper vers le bas, mais alors j'en suis pas capable moi-même. Hein. Là. Ah oui. C'est vrai que là faut que j'en profite pour récupérer de l'âme et me soigner un peu. Ça servait vachement de me soigner, vous trouvez pas? C'est plus au cas où j'arrive pas à éviter cela, quoi, qu'il me faut que je me soigne un peu. J'ai pas pris le dernier là, comme ça, l'air de rien. Bon, par contre, j'ai pris ça. Putain.
Bon, normalement, ça, c'est la fin. Non. Non, c'est pas la fin. Ah, il en fait deux maintenant de ça, d'accord. C'est nouveau. Je croyais qu'il n'y en avait qu'un seul. Enfin, j'en ai toujours eu qu'un seul par combat, mais... Je casserais bien un cri des abysses à ce moment-là, mais je crois que c'est pas forcément recommandé. Je sais pas pourquoi. Mort-lui la jugulaire! Ouais, la musique est absolument magnifique, hein. On est d'accord. Faut que tu saches que tu ne peux pas passer à travers les attaques de Radiance sans le dash des ombres. Oui, 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 je m'en doute. C'est pour ça, justement, c'est mon problème, c'est qu'il recharge pas... Là, je suis partie trop tôt, quoi. Et c'est un peu le souci, quoi. Si, ça, je peux, on est d'accord. Mais c'est comme ça va vite, bah il faut que le dash recharge, et ça c'est pas forcément évident. Voilà. Là je me suis fait baiser. Et là le truc c'est pile la longueur des épées quoi. C'est pour ça que j'essayais aussi de passer entre les épées qui volent quand je pouvais. Pour essayer de... Voilà. Des abysses, c'est très efficace contre Alien, surtout au début quand elle se déplace pas. Ouais, justement, c'est ce que j'essaye de caser. Tu parles du charme qui fait des dégâts, rallonge ton dash. Ah oui, non, tu voulais dire le dash des ombres avec le charme qui le rallonge. Ok, d'accord. Ouais, parce que moi, ce que j'appelle le dash des ombres, c'est... Enfin, c'est le dash, on va dire, le skill, mais... Ah, comment je peux appeler ça? Pas le dash de base, mais le dash une fois upgradé dans l'abysse. Donc celui qui te permet de passer au travers des attaques. Mais c'est vrai que l'autre charme le rallonge, on est d'accord. Donc dans ce sens, ok. Comment il s'appelle de nouveau? C'était lequel? Celui-là. Tu veux dire ombre tranchante, c'est ça? Ouais, Dead Game 23, je fais Radiance. Ouais, toi, si je me suis trompée, tu fais Radiance. Ouais, mais je dis la merde. Ombre tranchante. En fait, c'est ça. Ouais, est-ce que ombre tranchante me sera particulièrement utile contre Radiance? Parce que c'est vrai que ça rallonge le dash d'un poil de fesse. Donc, et comme ces épées, là, machin, ça pile la longueur du dash de base. Je peux essayer, hein. Je peux essayer, c'est pas un souci. Par contre, je vais quand même... Est-ce que j'essaierai pas autre chose? Tant qu'à faire. Maintenant que j'ai 11 slots. Je pourrais mettre les cœurs bleus aussi, mais... Dans tous les cas, j'ai pas... Après, je peux pas mettre autre chose, quoi. Mais par contre, ouais, le... Ça rallonge, mais si tu t'actives pas direct, tu te prends les épées qui arrivent. Oui, 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 c'est ça. Bah, faut juste qu'il recharge, quoi. Ça, c'est le problème. C'est faut que je bouge le temps qu'il recharge et que qu'il ait rechargé au moment où je lance quand les épées sont là quoi. Bon, on va essayer pour voir. Pas tout. Je dis pas que ce sera forcément ce qu'il y aura de mieux, mais. Moi je dis nul pour nul, autant que j'essaye différentes combinaisons pour voir ce que ça donne. Mauvais côté. Mauvais côté. Faut pas que je panique. Je l'ai déjà fait un nombre incalculable de fois, j'ai pas besoin de paniquer, je peux le faire. On va en profiter pour soigner, hein, tant qu'à le faire. Mais comme dit, heureusement que le jeu est gentil et qu'il vous remet de la vie juste avant Radiance. Ok. Bon, ça va, j'ai perdu qu'un truc. Ah!
Est-ce que je vais arriver à pas me les prendre? Bien sûr que non. Mais ouais, c'est vrai que si j'arrivais sur Radiance avec un petit peu d'âme, ce serait cool. Genre de quoi lancer un sort, ce serait déjà bien. Oui, non, sinon le sort serait plus gros. Pierre du chaman, non. Mais, enfin si, enfin je l'ai, j'ai le charme, quoi. Mais je l'ai pas équipé. Bah, on teste, hein. D'accord. Là, faut que je fasse gaffe. C'est ça. Non, là, je vais pas y arriver. J'aurais peut-être dû sauter pour le coup. Ouais, même comme ça, hein, c'est pas assez... Faut vraiment y arriver, hein. Non ! Mais j'ai aucune coordination à la base. Donc, ça aide pas, on va dire. La régénération plus rapide. T'as pas vu la gueule du sort. Attendez, je vais récupérer Batman. Il est tout déprimé, tout tranquille. Régénération plus rapide. Putain, c'est lequel de nouveau? Je vois lequel. Celui-là, j'ai pas le temps. Régénération plus rapide, c'est lequel de nouveau? Merde. Cristal, celui-là. Canalisation rapide, c'est ça, ou... Ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de me soigner. Bénédiction de Johnny plus pierre de chaman, c'est pas faux, j'ai pas essayé en fait. Hein. Ouais. Oui, mais canalisation rapide, j'ai pas le temps de me soigner. Sur Radiance, quand c'est que je suis censé me soigner, y a quasiment aucun moment. Donc, enfin... Je peux me tromper, mais pour moi, c'est le genre de fight où il faut pas compter sur le soin, c'est faut compter sur l'esquive, quoi. Je peux essayer. Bah, c'est ça, pour moi, c'est trop compliqué, hein. J'ai déjà pas de bons réflexes, alors si pour me soigner, il faut que je lance le soin, genre à la demi-seconde près, ça va pas le faire, quoi. Je sais pas, hein. Moi, je pense qu'il faut que j'arrive à esquiver, surtout, plus que de compter sur le soin. Mais ça, c'est encore autre chose. Il faut pas se baser là-dessus. Alors, personnellement, je serais pas en faveur de me baser sur le soin. Parce que je pense que ça va, que j'aurai pas le temps. Non, je vais pas prendre ça. Pierre de chaman et mangeur d'âme. Bon, je vais lui faire que dalle comme dégâts, mais... Attendez, je vais déjà voir. De toute façon, le Hollow Knight, je vais le bourrer avec des sorts, donc... On avait dit pierre de chaman. Tu prends deux cœurs et t'as déjà... Radiance te soigne pas. Moi, je pense pas. Me soigner sur Radiance, je le sens mal. Honnêtement, je le sens mal. Ouais, la régène, s'il y a de la régène automatique, ouais. Éventuellement, le charme de la ruche. Mais pas un truc où il faut que je m'arrête pour me soigner, pour canaliser, quoi. Forme d'une. Mix Johnny, pierre de chaman, mangeur d'âme. Quand tu prends deux cœurs, t'as déjà une ombre, un paire de cœurs, ça servira à rien, c'est pas faux. Captura, mais dash des ombres à la place du mangeur d'âme. Mangeur d'âme, c'est lequel? C'est celui-là. Hein. Ouais, non, ça pourrait combiner plutôt un peu moins cher. Le dash des ombres. Qu'est-ce que je ramène? Canalisation rapide. Moi, je sais pas. Honnêtement, pour l'instant, quasiment tous les boss que j'ai fait, je me suis rendu compte que compter sur le soin, ça marchait pas pour moi. Donc je sais pas. Je me le note dans un coin de ma tête, mais j'ai peut-être essayé autre chose d'abord, parce que j'ai pas l'impression que ça va vraiment, vraiment me servir. Après, comme dit, pourquoi pas. J'essaierai aussi. Qu'est-ce que je pouvais encore foutre pour deux points, celui-là, la l'ombre tranchante? Mais juste tous les charmes pour les cœurs bleus, pour voir. Je suis pas sûre que ça va vraiment...
Mais tous les cœurs bleus, j'arrive à 16 ou 17 cœurs ou un truc comme ça. C'est enfin masque. On peut essayer. Par contre, j'ai un truc où je suis curieuse, c'est la pierre de Johnny. Je pense que ça va quand même me régénérer tous les masques avant Radiance. Je pense. J'ai pas compté combien j'en ai du coup. Bon, en fait 4 de plus, hein. Quelque chose comme ça. Allez. Je vais laisser venir. Bravo. Je commence comme ça, on va pas aller loin. Je suis entre, ouais, je suis entre. Ok, bon, on va le frapper un petit peu. De toute façon, je peux pas me soigner, donc je m'en fous. Je veux juste de l'âme pour les sorts. C'est vrai que celui-là, contre lui, comme il saute pas beaucoup, c'est pas mal. Ça, c'est débile. Ça, c'était naze. J'aurais dû me douter qu'il allait faire ça, mais pour une raison que j'ignore, je ne m'en suis pas douté. Pareil, cette attaque, en fait, elle est pas compliquée, on est d'accord. Faut juste dasher à droite à gauche. Je vous lis après, hein. Il fait quoi, lui? Il faisait ça. Pas bouger. C'est pas évident de pas bouger. On sait qu'on doit pas bouger, mais on a quand même envie de le faire. Je me demandais pas pourquoi. Bon. J'allais dire j'essaye d'éviter, mais en fait non. Bah, je pense que là, on arrive sur la fin, donc c'est bon. Voilà. Garde l'âme pour Radiance, tu vas lui placer 3 cris des abysses au tout début. Ouais, bah je vais... Pourquoi il se transperce? Bah a priori pour faire rentrer l'infection, pour faire sortir l'infection, un truc comme ça. Ok. Bon, je vais essayer de faire gaffe. Hein. Putain, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais c'est quoi la portée de ces trucs? C'est trop grande portée, quoi. D'accord. Il faut pas y tomber parce que... C'est bien de tomber. Non! Si, je l'ai touché quand même. Coordination de mes couilles. L'infection prend son contrôle, il est plus froid. Ouais, c'est ça quand il crache des boules d'infection et qui sautille avec de l'infection. L'infection fait pourrir de l'intérieur. Mais ouais, mais c'est pour ça que ce boss, moi j'ai juste envie de lui faire des câlins en fait. J'ai pas envie de le bolosser. Mais alors, moi je sais pas, est-ce que... J'ai vraiment deux interprétations là-dessus. C'est est-ce que, ouais, il fait sortir l'infection... pour qu'elle le rende plus fort, pour que, bah voilà, comme ça, il peut lancer des boules d'infection et tout. Ou est-ce que, effectivement, c'est parce que, bah, ça lui fait mal, qu'il essaye de se suicider, entre guillemets, ou de s'empêcher de nuire, ou des trucs comme ça, quoi. Enlève tout tes charmes et suce ce des masques bleus. Je peux essayer comme ça, pourquoi pas. C'est, bah, oui, non, si je me lève du banc, ça va pas le faire. Mais... Voilà, histoire de faire overkill. J'ai encore une place pour une petite pierre du chaman, là. Un petit capturam, hein. Non, mais même avec ça, je vais crever, hein. C'est... Non, mais je vais essayer parce que c'est marrant, ça fait overkill. Ouais, fantasy, ça va, tout le monde a été sage. Je suis encore morte plein de fois. Mais ça, c'est normal. Bon. On essaye de se le battre.
Pas sûr que non. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Aucune idée. Non, non, mais réflexe de merde. Hein. Y'a pas à dire. Et quand je dis réflexe de merde, j'entends pas par là réflexe lent, mais réflexe de faire n'importe quoi, en fait. Genre ça. Pourquoi j'ai pas bougé, hein? Pourquoi j'ai pas esquivé? Je sais pas. C'est une très bonne question. Et c'est vrai que je garderais bien de l'âme pour Radiance, ouais, on est d'accord. Oui, ben là, j'ai pas le charme qui transperce, ouais, forcément. Ok. Là, par contre, c'était du réflexe lent, on est d'accord. Je peux pas me soigner, donc on s'en fout. Il allait faire l'autre attaque là, mais en fait non. Là il l'a fait. Non mais franchement, là, bon, là je fais aucun effort d'esquive, hein, ça se voit. Vous savez que je risque de me faire crever là-dessus en plus, hein. Mais. Bon, manger de l'âme, c'est déjà ça. J'aurais dû utiliser ombre tranchante, ouais. Là, j'ai plus de temps pour m'entraîner sur Radiance. Ouais, si j'arrive à Radiance, parce que... Si j'y arrive... Non ! Reste en place ! J'ai besoin que tu restes en place pour te bourrer de sorts. Bon, bah tant pis. J'aurais pas l'âme que je voulais, c'est pas grave. Petit dernier. Si Ornette pouvait arriver maintenant, ce serait cool. Non, pourquoi je le fais dans ce sens? Non mais je vais crever là-dessus en plus, hein, avec 14 corps, je vais crever. Ah non, ça va, ouf. Merci. Merci 6. Ah, ombre tranchante, bon. Mais je vais crever là-dessus, hein, malgré tous les corps. C'est, vous allez voir ça. Bon bah voilà, j'essaie d'être concentré. Là. De justesse. Ouais, je sais pas combien il lui faut de coups pour un sac à PV. C'est quoi, c'est les rayons? J'essaie d'esquiver, hein, parce qu'il y a des fois d'autres choses. Putain, on part bien haut. Je suis partie trop tôt. Je sais pas, en fait, il y a vraiment un... Bon, je peux rebondir. Je peux faire rebondir sur les épées, yay. Bon à savoir. On avait dit qu'on utilise le dash... On avait dit qu'on n'utiliserait en fait. Putain. Non mais je vais crever, hein. Je vous garantis que je vais crever. Ah voilà. Ah, vous avez vu, hein. Meilleur try, ouais, mais...
Les pics en bas, c'est un PV. Ouais, mais c'est un PV de trop. Comment c'est possible? Ah, bah ouais, non mais je vous garantis... Je vous garantis que je peux toujours faire de la merde. Toujours. Il y a absolument aucun doute. C'est... Le travail peut commencer de la meilleure façon possible, et je vais faire de la merde. Donc c'est absolument une certitude, mais c'est très rigolo à regarder, j'imagine. Enfin, moi, je sais pas, moi, ça me fait bien rire, en tout cas. Ce que je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible d'être... De faire de la merde comme ça, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai duré un peu plus longtemps. Mais, pouf, c'est... C'est un... Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est assez intense. Donc c'est pour ça que des streams de 24 heures Hollow Knight... Non. Pourquoi je fais ça? Ne répondez pas à cette question, c'est une question rhétorique. C'est juste moi qui m'émerveille de ma nullité. Comment j'arrive à faire ça? Mais comment, quoi? Je voudrais le faire exprès d'être nul, je n'y arriverai pas. Ouais, je me dirais, ah, ça y est, maintenant, si on jouait mal, là, pour rigoler, bah, j'y arriverai pas. À quand un stream 24 heures? Probablement jamais, pour être honnête, parce que... Je vois pas trop comment c'est... J'ai déjà mis 3 jours à me remettre d'un pauvre stream de 6 heures. Donc un stream de 24 heures, en vrai, je vois pas trop, quoi. Putain. Comment j'arrive à faire ça? Je suis pas censée savoir frapper vers le bas maintenant, je sais pas. Oh là là. C'est vrai que sans le dash de l'ombre, c'est pas... Enfin, le dash amélioré, là, c'est un peu... C'est un peu long, hein. Ok. Bon, c'est déjà ça de pris. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Souvenez-vous, toujours moyen de faire de la merde sur ce stream. Toujours. Mais grave, quoi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je lui dash pas au travers? Il était en position parfaite pour ça. J'aurais pu passer de l'autre côté. Tu fais quoi, là? Ah, il fait ça. Ok. Ouais. Bien sûr que oui. Fallait que ça arrive. Bon. Mais non, pourquoi il saute maintenant? Un peu d'âme. Hein. Je sais que ça sert pas à grand chose de le taper à ce moment-là. J'aurais peut-être dû en récupérer encore plus, je sais pas. Ouais, j'aurais dû, tant pis. J'en vois trop. Ouais, non, non, un stream de 24 heures. Ouais, comme dit, j'ai plus 20 ans. Hein. Alors. Est-ce que je peux la frapper maintenant? Ouais, je peux. Dommage, ça commence bien, mais il y a toujours de la merde. Oh non, mais là... C'est quoi, c'est... Mais j'ai aucune estimation des distances, c'est hallucinant, quoi. Bon, en vrai, dans la vraie vie, j'ai aucune estimation des distances non plus, hein. C'est... Vas-y.
J'oublie pas que je tombe. Oh non, mais là c'est bien n'importe quoi. Allez. Radiance a triché. Carton jaune. Non, mais voilà quoi. C'est. Et voilà pourquoi je n'aurai jamais les achievements âme d'acier. Parce que c'est. Je vois pas comment on peut passer de ça à un skill où on meurt pas, je sais. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés? Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé, ils étaient nuls comme la mort, et ils sont vraiment devenus des dieux? Est-ce que ça existe? Ou est-ce que c'est des gens qui avaient déjà du skill de base? Là, naturellement, j'entends. Parce que, à bon sang, Radiance, je dois être à mon 30e essai, là, non? Mais, putain, mais qu'est-ce que je fais? Donc non, un stream de 24 heures, non, juste jamais, parce que... Puis je vous cache pas, en même temps, être en stream pendant 24 heures, je pense qu'au bout d'un moment, je vais en avoir marre aussi. C'est... J'aime bien streamer, mais j'ai aussi envie de faire d'autres trucs. Ouais, je vais le bourrer, de toute façon. Qu'est-ce que je m'en fous de garder de l'âme pour Radiance? J'arrive pas à caser des sorts. Pourquoi je dash? Vous savez que je risque de crever là-dessus malgré mes 16 millions de cœurs. Hein. Bon, en même temps, je vous cache pas que là, j'ai concentration zéro. Hein. Ouais, je sais pas ce que je vais faire après parce que je me sens pas non plus de faire le Colisée là maintenant. Niveau concentration, je vous cache pas que c'est un peu... Ouais, d'accord. Mais... Oh non, je vais crever là-dessus, hein. Ah bah non, je peux pas me soigner, je suis conne. Est-ce que j'essaye de me soigner? Bon, je sais, je dis à chaque fois, je vais crever, si ça se trouve, je vais survivre, hein, on sait jamais. Faut que j'esquive ça. Bien sûr que non. Dommage pour le sort. En vrai, j'utilise toujours celui-là parce que les autres, je sais pas les utiliser. Non, mais je vais crever, hein. Je vous garantis. Bah voilà. Tous les boss en radiant, j'ai pas réussi. Ouais, t'as 112% d'âme d'acier avec de l'entraînement. Ouais, c'est ça le problème aussi, c'est que acquérir des réflexes quand vous avez passé 25-30 ans, je vous garantis que ça marche vachement moins bien qu'avant, quoi. Tous les boss en radiant, j'ai pas réussi. Ouais, ben en vrai, je vous cache pas que j'en ai un peu marre, en fait. Ouais, le journal, honnêtement, le journal, je veux bien, mais si c'est pour aller au Colisée, je crois que non, quoi. Ouais, pas grave, Shadow Wonder, et ben passe une bonne après-midi. Qu'est-ce qu'on a autrement? Ouais. Mais 112% d'âme d'acier, je vous admire. Hein, c'est... Après, en fait, est-ce que je vais pas en avoir marre? Ça, c'est un peu ça la question. Quoi. Puis... Bon, le truc aussi... une chose est claire, c'est que quand je joue en dehors du stream, je suis moins nulle. Parce que j'ai pas besoin de me concentrer de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'il y aura peut-être des choses. Panthéon 5, je le ferai pas en stream, quoi. Enfin, je pense pas. Je pense que ce serait un peu... Pourquoi je fais ça? Putain, mais sérieux, quoi. Une débilité pareille. Pourquoi, en fait, on a systématiquement des réflexes de merde sur ces jeux? Genre le réflexe d'aller à droite quand il faut aller à gauche, des trucs comme ça, pourquoi? Pourquoi le cerveau il fait faire ça? Je pose la question parce que vraiment c'est bizarre. C'est bizarre qu'on sait où on doit aller et on le fait pas. C'est quand même marrant, hein. Parce que je sais que je suis pas la seule, hein. Je vois plein de streamers, ils sont pareils, ils font pourquoi tu fais ça, mais non, pourquoi j'ai mal géré, etc. Et c'est super bizarre. Ouais, non, mais d'accord, quoi.
un sort de gâché. Si là il saute, je le bute. Bah, de toute façon, je le bute. Allez, bien. Pourquoi je peux pas sauter plus haut? Pas comme si je savais pas sauter, hein. Voilà, là j'ai bien sauté, donc je peux le faire. Hein. Et pourquoi là j'ai pas dashé? Normalement je sais dasher. C'est possible aussi par contre que je sois un peu au bout de ma vie niveau concentration, hein, je vous cache pas. C'est... Mais non! Bon, on va récupérer de l'âme à défaut d'autre chose. Hein. Ok. Je crois que cet endroit il est pas trop mal. Si je vais trop loin, la distance des bouboules est pas géniale. Alors je sais pas si c'est des oiseaux ou des chauves-souris hein, cette fois, je vous cache pas. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? C'est une question rhétorique, il y a pas de... La réponse c'est parce que je suis nulle. Bon, ben au moins elle est là. Le sentier, je ferai en stream. Je commencerai, mais je pense que honnêtement, je le finirai pas en stream. Parce que beaucoup trop de concentration, pas assez de plateforme pour se reposer entre, on va dire. Voilà. Quand on essaye de bien faire les choses en faisant des sorts, ça merde. Ah, J'ai aucune portée par contre. Hein. Je charge. Oh, bien sûr, ça je le sentais venir. Ça aussi je le sentais venir. Oula. J'aurais dû dasher. Je sais jamais dans quel sens ils vont ces rayons. Je sais pas comment j'ai réussi. Ça, j'ai fait de la merde. Ça aussi. Ah oui, parce qu'en fait, tant que ça te touche pas, le... Qu'est-ce que je fous, là? Oh non, mais là je suis plus concentrée, quoi. Là, bon, je crois que je vais arrêter Radiance pour maintenant, parce que... non, je crois que le sentier, c'est entièrement optionnel, Saint Player. Ouais, je vais... Radiance, je vais arrêter parce que là, franchement, je fais de la merde. Je referai une autre fois, évidemment, hein, j'abandonne pas pour toujours, on est d'accord. Mais là, honnêtement, je fais vraiment de la merde. Ouais, le journal, bah, je vais aller chercher les petits bitonios, là, qui sont en dehors du temple. Qu'est-ce que je mets d'habitude comme charme? Celui-là, parce que, voilà. Je sais plus ce que je mets, en fait. Je sais plus du tout. Je sais plus où j'en suis, en fait. Qu'est-ce que je mettais d'habitude? Bah, en vrai, je mettais ça, quoi. Qu'est-ce que j'avais comme charme? Ouais, celui-là, parce qu'il est fun. Ouais, je vais aller finir les petits machins, les petits bouts d'infection. Mais en vrai, le journal, vous êtes gentil, mais... Bah, je sais pas où aller. Parce que c'est des ennemis que j'ai pas découverts, donc moi, à part le Colisée et le Panthéon... J'avoue que je vois pas trop, quoi. Donc toi, tu te casses. Toi, tu te casses aussi. Allez, petit picot. C'est vrai, ça? Où est-ce que je peux trouver des ennemis du journal, moi? Voilà, ça c'est fait. On va juste nettoyer un peu la zone, là, tranquillou. Bah du coup, le journal... Il m'en manque 3, hein. J'en ai 148 sur 51, donc il m'en manque 3. Une partie de ce liquide est devenue chair et cette chair a pris vie. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Déjà, qu'est-ce que j'ai pas fini? Je sais pas du tout les 3 qui me manquent, là. J'espère que c'est pas Zot. Parce que si c'est ça, je suis dans la merde. Bah, je vais regarder là déjà où j'ai pas les descriptions.
Mais je crois que j'ai tout de ce que j'ai découvert. Hein. Oh, je suis désolée, je lis pas les descriptions. Ah, les Sporgs. Ça, c'est quoi? Ah, voilà, ça, c'est aux cavernes. Donc, il y avait les... Voilà, il y avait les Sporgs à finir. Le gros champignon. Bon, on va aller aux cavernes, hein, ce sera déjà ça. Le fixeur, ennemi qui part à seulement à 10%. Ah, moi, on m'avait dit 2%, donc... Oui, d'ailleurs, oui, c'est une bonne question. Je sais pas du tout où il apparaît. C'est... Alors là... Je n'ai jamais rien vu de tel, en fait, qui ressemble à ça. Ce qu'on va faire, on va déjà revenir... Je vais déjà revenir au Coléo. Je vais passer sur le banc, tant qu'à faire. Et après, caverne, pour aller chercher des champis. Radiance, le lunette et le fixeur, mais le lunette, j'ai déjà battu. Je veux dire, je l'ai déjà eu, le Hollow Knight. Radiance, ouais. Le fixeur, ok. Bah alors, le dernier, c'est quoi? Le Hollow Knight, il est déjà dans le journal, non? Je déconne pas. Attendez. Ce serait bien que ce soit classé par ordre alphabétique, ce serait cool, mais... Ou classable, à la limite. Ouais, le Hollow Knight, il est déjà là. Non, pour l'instant, il faut que j'aille dans les cavernes et que je bute les machins explosifs. Ça, ce sera au Colisée. Les bulles infectées. Tiens, c'était où, ça? Merde. Les bulles infectées, c'était pas sur... Non, je pense que les bulles infectées sur le proche disparu, ça compte pas. Parce que j'en ai buté un nombre incalculable. Dartmouth, route avec ténèbres descendantes. Clingri, bien sûr que non, j'ai pas battu Radiance. Même avec 17 cœurs de vie, je bats pas Radiance. C'est... Non, non, je la battrai au bout de 150 essais. Hein, c'est pas grave, j'y passerai 3 semaines s'il faut. C'est pas un problème. Dartmouth, route avec ténèbres descendantes dans le puits. Mais quand pas le dernier, c'est un mob du Colisée. Merde. Mais je peux lancer ténèbres descendantes là-dedans? Tu veux dire descendre dans le puits? Ou là? Ouais. Je sais pas. Bah oui, mais ténèbres descendantes, tu peux pas faire ténèbres descendantes quand t'es en train de rentrer dans une zone. Mais qu'est-ce que je fous, moi? Ah si, on peut. Ouais. Ben, j'imagine qu'il faut que je le refasse 50 millions de fois jusqu'à ce que ça marche. Bon, déjà, je vais me recharger en âme. Comme ça, je suis sûre d'avoir tout ce qu'il faut. Ouais, ça, c'est du farming. Hein. Farming de mobs. Parce que s'il a que quelques pourcents de chance de... Non, ça n'a pas marché. Ah ouais, on peut pas le lancer n'importe quand. C'est... Allez, monte. Ouais, j'en sais rien, ce qui sert à quelque chose. Tout le monde me dit des choses différentes à chaque fois. Donc au bout d'un moment, je fais... Ouais, je vais le faire pour le lol. Et puis, on verra bien. Hein. Ouais, ben... C'est 10, pas 2. Ben, moi, je sais pas, déjà on m'avait dit 2%, on m'avait dit 5%. Toi, tu me dis 10, alors j'en sais rien, hein, quand je vous dis que c'est contradictoire de partout. C'est... ouais, ben... Mais c'est les ténèbres descendantes qui le font apparaître, parce que là, c'est super bizarre comme truc. Le wiki, c'est 10. Bah voilà, 2, 5 et 10. Alors bon, autant vous dire que je fais une moyenne, et puis très peu de chance. Ça va être plus simple comme ça. Allez, monte. Parce que Carré sur le stream, à ce moment-là, il va vraiment se poser des questions. Genre, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu fais ça dans un puits? Ah bah j'ai plus d'âme. Ouais, mais alors le problème c'est que le panneau cassé, quand je redescends...
Bah le panneau il est réparé. Donc c'est qu'il est déjà passé, je sais que je l'ai raté quoi. Ah oh, bah 2%, je vais pouvoir passer les 15 prochaines minutes à faire ça. Hein. Enfin si ça vous amuse, pourquoi pas. Bon. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marchait. Je suis pas sûre que si j'étais dans le puits ou à côté, mais... Ah ouais. Non mais je réessayerai Radiance, mais là... Pas tout de suite. C'est 20 essais où je me fais bolosser, c'est un peu beaucoup, quoi. faut que... Ouais, j'ai encore un essai, et puis après, je vais aller me recharger. Allez donc. Le fixeur pour journal, si tu veux le maximum de succès, le journal sert. Ouais, ouais, le journal. Alors, le journal n'est pas nécessaire au 112%, mais pour les succès Steam, il me semble. Parce qu'il y a un truc, marque du chasseur et journal du chasseur, donc j'imagine qu'il faut tout compléter. Et que, enfin, marque du chasseur, c'est le genre, si t'as tout complété, le chasseur te file un truc. Ouais. Ah ouais, non, mais si ça dépend de wiki, si tous les wikis disent pas la même chose. Moi, de toute façon, quand les sources se contredisent, eh ben, je décide que j'écoute plus les sources. Parce que comme ça, c'est plus simple. Il y aura un truc qui marchera et je le trouverai bien. Ouais, purée, j'ai la dalle. Je sais pas pour vous, mais... Et c'est là qu'il va apparaître et je vais pas réussir à le tuer parce que... En même temps, pourquoi je buterais le mec qui répare les panneaux, quoi? Il fait son boulot. C'est quoi ces façons de buter les gens, là, comme ça? Bah non, j'étais déjà là, moi. Donc en fait, j'imagine que le but, c'est de le choper avec les ténèbres descendantes au moment où il vient réparer le panneau, c'est ça? Puisque là, du moment que le panneau est réparé, ça veut dire qu'il est déjà passé et je l'ai raté. T'as eu succès sans avoir le fixeur? Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. C'est ça, ouais, ok, donc c'est tu le butes dans la foulée, quoi. Par contre, moi, je vous avoue... Putain, mais faut que j'aille sur le banc pour me recharger, pas pour m'asseoir avec Bretta. Voilà. Après, des fois, les succès, je sais pas. Moi, j'ai déjà vu l'inverse, des gens qui auraient dû avoir le succès et qui l'ont pas eu. Du genre, ils ont pas eu le succès avec Quirrell, alors que pourtant, ils ont parlé avec lui, ils sont assis avec lui et tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment un ennemi, le fixeur? S'il répare les panneaux, c'est pas un ennemi, non? Les ennemis réparent pas les panneaux. Je sais pas. Le concept est bizarre. Moi je veux juste l'achievement. Les ennemis qui comptent, le fixeur compte pas. Purée, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a trois trucs qui me manquent et je sais pas du tout ce que c'est. Et il me faut une bulle d'infection et ça, par contre, je sais pas où la trouver. Où est-ce qu'il y avait des bulles d'infection? Ah si, je sais, dans le bassin. Dans le bassin, il doit y en avoir encore à un moment donné quand on monte. Il y en a deux, trois qui apparaissent. Ça c'est bon. Bah j'irai compléter ça aussi et puis les cavernes. Ouais. C'est un endroit où on peut monter qu'avec le double saut. Que ça, je m'en souviens. Bon, en tout cas, pour l'instant, on verra bien s'il apparaît dans le journal du chasseur ou pas. Hein. Mais je me suis pas rechargée. Qu'est-ce que je fais? Alors, aujourd'hui, il y a tout qui va mal. Hein. C'est je me réveille trop tard, le son qui marche pas dans OBS et dans Streamlab, le stream qui commence comme de la merde. Chico, à bientôt. Bah, à bientôt, Soundplayer. Bon appétit si t'as pas encore mangé. Et puis, bah, merci d'être passé. Merci pour le follow. Et pauvre Soundplayer qui arrive au moment où je bagrime, qui doit se dire ouais, c'est du stream de qualité. Et puis après, qui me voit combattre Radiance. Et là, j'imagine la déception. Il y a des mobs dans le jeu, quand tu les tues, compte dans le journal, mais rajoute un emplacement. Exemple 140-141, tu tues le fixeur, ça fait 141-142. Ok, dans ce sens. Après, je peux le tuer pour la complétionnite, hein, pourquoi pas. J'essaye encore quelques fois et après je vais aux cavernes par contre parce que... Ça c'est le genre de truc, je vais le faire en passant, mais je me vois pas faire ça pendant 20 minutes d'affilée non plus. Hein.
Enfin, ça va pas être très bandant pour vous. Encore un petit essai, je vais aux cavernes. En vrai, j'étais pareil, ça me fait penser à moi. Non, mais... Ok, alors ça me rassure un peu, ça me console un peu. Non, mais je pense que surtout, c'est peu importe le skill qu'on a, l'essentiel sur ce genre de jeu, c'est de pas abandonner à la moindre difficulté, en fait. C'est... Je vais aller aux cavernes récupérer. Ah, il y a du lore. Ah, ouais, ça m'intéresse. Pour le lore... pour le pouvoir du lore. Pour le pouvoir du lore. En vrai, si j'ai bien compris, le sentier des souffrances, à part un peu de lore, il n'y a rien non plus. Hein. Donc... caverne. J'ai dit... Pardon. Les machins qui explosent, donc il faut que je prenne le collier parce que c'est plutôt vers le haut des cavernes. Du lore léger, mais présent. Ouais. Moi, j'avais bien aimé le lore dans l'Abysse, là où on est obligé de remonter et où on voit comment on a été enfermé là-dedans et que c'est juste ignoble. Non, le bouton reste pas enfoncé, s'il te plaît. Faut vraiment que je me trouve une manette potable, moi, hein, parce que celle-là, elle est bien, mais elle vieillit. Et l'autre que j'ai, elle me fait des sauts toute seule quand je touche pas les boutons. J'avais un truc comme ça, j'avais fait cette partie. Donc quand on dit ouais, ne blâme pas la manette, des fois si. Alors là je vais vous montrer comment ça faisait avec cette manette, celle-là elle a pas le problème. Mais j'avais fait ça dans une autre partie pour filmer un petit peu. Et j'arrêtais pas de me vautrer sur les plateformes. Et je remarquais que donc ça c'était avec ma manette sans fil. Et j'ai remarqué qu'à mon démon perso il faisait ça. Enfin, sans le double saut, mais il sautait comme ça, alors que je touchais pas le bouton de saut. Je touchais aucun bouton. Et là, je me suis dit, il y a quand même un truc chelou avec la manette. Parce que... Si je touche rien et que le perso, il saute... quand même bizarre. Ah, mais... Voici mon skill de platforming. La la la. Qu'est-ce que je ferais pas sans le double saut? Maintenant, du coup, quand j'ai pas le double saut, ben... Je suis toute triste. J'ai plus l'habitude... donc, alors... Vous y croyez à ça? Sérieusement, vous y croyez? Donc, du Joy-Con Drift. Ah, c'est possible! Mais techniquement, c'était pas le Joy-Con, c'était vraiment le bouton de saut qui faisait... Comme si je faisais ça en permanence. Mais effectivement, ouais, c'est le même principe de... D'ailleurs, du Joy-Con Drift, j'en ai eu. Une ou deux fois. Où le perso continuait d'avancer alors que je touchais pas les joysticks. Mais encore une fois, c'était que sur la manette sans fil. Donc, on va peut-être pas rester en dessous du truc. Donc, après, bulle infectée quand même, au moins histoire de compléter ça, comme ça c'est fait. Et on avait dit quoi? L'ogre fongique, donc ça, il va y en avoir vers le haut. Et les machins qui balancent des boules de feu, dont je vais me faire exploser quelques fois. Hein. Putain, mais... Mais sérieux, quoi. Est-ce que c'est pas vers là qu'il y en avait? Ouais. Je sais pas combien il m'en faut de celle-là. Encore 6, ça va aller donc. Bah je vais aller respawn sur le banc après. Hein. Mais non! Qu'est-ce que tu fous? Débile. Le pire c'est que je suis fichu de mourir là-dessus. Ah bah non, du coup il s'est fait exploser, d'accord. Voilà, donc l'autre. Ah quoi. On va remonter. Bah tiens, je vais récupérer les géos tant qu'à faire. Même si ça me sert plus à rien. Ah, il était où? Il était là-haut. Eh, mais j'ai raté un truc, là. Je sais pas si c'est le moment d'examiner quelque chose, mais c'est pas grave. J'avais raté un saut d'Alonest. Ah bah dis donc, en même temps c'est vrai, je vous cache pas, les cavernes, j'y suis pas allée souvent. Enfin, j'ai fait les montes et après je me suis barrée. Et c'est vrai qu'il y avait genre Maître U là, que j'avais jamais fait parce que c'est... Ah, j'ai complètement zappé ce coin. J'avais vraiment loupé ça, ouais, comme quoi, bah... Comme quoi. C'est vraiment que j'ai pas fait gaffe plus que ça. Bon, donc il m'en faut encore deux, on va les faire respawn. Et puis après, l'ogre fongique. Moi, ce que j'appelle ça, les champignons qui font du heavy metal, parce que...
Ça me fait trop marrer à chaque fois. Ça me faisait carrément moins marrer la première fois que je suis tombée dans la salle où il y en avait deux comme ça. Hein. Et que j'étais là, c'est je sais pas quoi faire. Je suis perdue. Ah, ils me tapent, ils font mal. Ah. Mais ça devrait aller. Donc, il y a tout qui respawn. On va éviter de se prendre les champignons volants. J'appelle ça des méduses, mais c'est pas du tout des méduses. Hein. Champignons marteau. La peur des mobs de cette zone. Ouais, c'est possible. C'est possible que j'avais des mauvais souvenirs, des trucs comme ça. Non, mais regardez-moi ça. Alors ça, honnêtement, si c'est pas de la fatigue, je sais pas ce que c'est. Hein, parce que... Pour être nul à ce point... On va les laisser péter. Voilà. Ça, c'est fait. Et on avait dit les champipi. Les... Celui-là, il m'en faut un. Ouais. Par contre, lui, je me souviens plus bien où il est. Il est dans le secteur. C'est quelque part par là. J'ai dans l'idée... Champignon marteau. Ouais, j'ai dans l'idée que c'est, entre guillemets, vers le haut des cavernes. Mais la grande question, c'est... Vous l'avez vu passer, celui-là? Putain, j'ai raté des trucs encore, hein. Sérieux? J'ai réussi à rater des trucs? Ah, mais faut que j'y aille, là. Bon, par contre, on va nettoyer un peu. Ah ouais, d'accord. Ça me dit rien du tout, donc j'avais vraiment raté. Journal d'un voyageur. Enfin, pas fait d'effort. Non, on est d'accord. Je n'avais genre vraiment rien à foutre de ça. Non, mais je pense que c'est une zone où je passais assez rapidement pour éviter les machins qui tapent. Ceux-là, je les ai tous. Hein. Guerrier champignon. Le pire, il a l'air tout choupi. C'est pas un guerrier, c'est un champignon. Mais ouais, comment ça se fait que... Je pense que c'est ça, c'est vraiment une zone où je passais Fissa. Ça doit être dans le secteur. Hein. Non? Plus haut? En même temps, ça va, c'est un journal du voyageur. Je sais pas s'il y a des achievements pour ça. Ouais, c'est là, voilà. Ah, d'accord, ça marche pas. Faut qu'il se réveille. Voilà. Oui, à l'origine, il y en avait deux dans la salle et il larguait un emplacement de charme. Champignon traître. Voilà. Champiling. Champilin. Je sais pas comment ça se prononce. Jeune créature fongique. Champignon happy. On est d'accord, je suis d'accord avec le chasseur, c'est amusant. Alors, je crois que tout ça, j'avais fait. Donc, il me faut les bubules au niveau du bassin. Bluxac. Ah ouais, ça, je les prends pas, en fait. Où est-ce qu'il y en a? J'aurais dû les marquer. Parce que ceux-là, souvent, j'ai tendance à pas les péter pour récolter de l'âme dessus à la place. C'est vrai que du coup, bah forcément maintenant je les ai pas. C'est con, hein. Ah bah... Pff. Non. Alors attends. Pas les jardins de la reine. Ah bah non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Là c'était pour la flamme de Grimm. C'est pas là que je dois aller. Il y a le bassin. Je vais retourner à la station. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, j'irai à la station. Ah, comme ça, ça, ce sera fait. Et puis ça me permet de faire un truc un peu pépouze, parce que des boss tryhard où je crève tout le temps. Ça va, mais pas pendant 3 heures d'affilée. Jardin de la reine et mon cristal. Ouais. Et il y en a un, j'en ai un, si lui je l'ai marqué, je sais où il est.
Là, il y en a un, j'ai un marqueur. Mais genre, je suis pas motivée du tout. Encore que, en passant par le coléo, ah, peut-être moyen. Parce que mon cristal, le problème, c'est que, est-ce que je les ai pas butés? Jardin de la Reine, celui-là, je l'ai pas pris, ça c'est sûr. Mon cristal, je crois que je l'ai pris, j'ai un doute. Coucou Solzy, comment ça va? Bah écoute, alors comment... Bah là, je complète les notes dans mon journal du chasseur. Après, j'ai battu un boss ce matin, il y en a un autre, j'arrête pas de casser les dents dessus, donc je fais une pause du boss parce que je réessaierai la prochaine fois. Donc ouais, je cherche ça. Oh, pardon pour les bâillements. Et je cherchais un truc au bassin. Par contre, du coup, Zulzi, désolé, ça va peut-être un petit peu spoil, parce que je crois pas que... Moi, je suis en fin de jeu, là, donc tu risques de voir des zones que tu connais pas. T'as battu les mantes? Ah bah, GG! Les mantes, franchement, j'avais eu du mal. Tu seras en leur... Ok, cool pour toi, cool. Les mantes, j'avais eu du mal, mais franchement, c'est un combat que j'ai adoré, quoi. Et je vous dis, c'est pour ça que c'est cool de continuer, c'est... Même quand je me casse les dents dessus, au bout d'un moment, j'y retourne. Ouais, mais la musique est classe, le combat, il est bien orchestré. Il y a même ce simple fait que c'est à toi de les défier, en fait. Donc tu as le choix. Ah, puis après, quand elles te saluent et t'as leur respect et tout, c'est trop bien, quoi. Ouais. Dans le nid, la zone la plus dure. Pas forcément. Il va, mais ne le spoil pas, parce que déjà il est pas obligé d'y aller, et en plus ne le spoil pas, laisse le découvrir, parce que franchement il faut voir la réaction des gens la première fois. J'allais où moi? J'allais là-bas. Faut que j'aille là où il y a le banc. Je crois que c'est par ici. Tu les fumes quand même. Oh non, moi j'ai arrêté de les... Du moment où elles m'ont salué, j'ai arrêté de les fumer. J'étais là, j'ai fait... Non, on va pas faire ça quand même. Faut que je pense à m'arrêter. Voilà, j'ai pas oublié. Mais déjà arrivé au nid avant les mantes, pire monde. Ah, tu y arrivais comment au nid avant les mantes? T'es passé par où? T'es passé par ici? Ah, t'es tombé. Ouais, parce que là il y a un passage. Là-haut aussi, mais je suis pas sûre de... Je sais pas comment t'as pu y arriver, effectivement. Parce que les seuls passages que je connais, c'est celui-là, mais je crois qu'à ton niveau de jeu, on peut pas y aller. Il y a celui-là, mais... Celui-là, je sais pas. Et... Bah, le tram, forcément, faut que t'ailles au nid pour l'avoir. Et il y a les mantes. Ouais. Oula, c'est une bonne question. Donc tu y arrivais complètement par erreur. C'est genre... alors c'est en même temps bien et en même temps pas bien. Putain, j'ai mon bouton qui reste coincé. Faut vraiment que je change de manette. Où est-ce que c'était? C'était là-haut? Voilà. Je me suis pas plantée. Je savais qu'ils apparaissaient à un moment donné ici. Tu as chu le chemin sous la station de la reine. Ah! Ici, ouais, d'accord. Donc la partie là qui est vraiment ce chemin qui est juste sous la station. Effectivement, tu peux aller au nid profond par là, ouais. Effectivement. Je me ferai bien le proche disparu là, mais malheureusement, il n'y a pas moyen. Ok. Ouais. Zouzi, tu peux répondre n'importe quoi, tu ne seras jamais mort autant que moi. Donc ton honneur est sauf. Journal. Donc, je pense que ça, c'est fait. Cité, j'ai fait tout, sauf les machins. Et voltaïque, ça, ce sera au Colisée. Voilà, c'est ça, les blocs sacs. Donc, il y en a un au jardin. Une vingtaine de fois. Ouais, bah, dans nid profond, tu m'étonnes. Hein. Moi, je suis morte quelques fois aussi, hein, mais... Enfin, quelques fois. Euh,
Allez, là, on va bourrer. Après, le nid profond, à ce stade du jeu, t'arrives, t'as un aiguillon de merde, t'as pas tous tes sorts. C'est chaud, quoi. Je me souviens plus, le machin, il est allant... Il est... Mais... Arrête de lancer des sorts pour rien. Il est à l'entrée des jardins. Ouais, je retourne à la station de la reine. Ah, depuis le début avec les tri-boss et tout. Ouais, ok, ouais. Ah, c'est peut-être ça qu'il disait, c'est peut-être ça une... Ah ouais, depuis le début, ouais, ok, d'accord, ouais. Donc, depuis, t'es pas mort 20 fois à Nid Profond, t'es mort depuis le début. On restait le fixeur avant la fin du live. Ouais, pourquoi pas, je peux retourner à Dirtmouth. De toute façon, la prochaine fois, je pense que je réessayerai Radiance aussi. Donc, tôt ou tard, j'irai là-bas. Je disais quoi, Station de la Reine hein, juste pour le bloc sac. Mais mon cristal, je suis persuadée de l'avoir pris. Et je me rappelle même être retournée dans le trou où on tombe, là, pour... Quand on démolit l'entrée avec les ténèbres descendantes, là. Je me rappelle même que j'étais allée à droite, mais je sais plus si c'était un sac ou un œuf. Mais je sais que j'avais fait... Mon cristal, je pense que j'ai tout récupéré. Non, mais en vrai, il va me rester celui de... de nid profond de mes couilles. Donc, jardin de la reine. On va passer par l'entrée là-haut. Je pense que c'était là-bas. Je crois que c'était là. Ah non, d'accord. Ah, les méduses. Les méduses, on est là à paniquer alors qu'en fait, il suffit de les esquiver. J'ai rien dit. Je peux faire de la merde, ne l'oubliez pas. Toujours, toujours possible. Je crois qu'en passant par là... Il devrait y en avoir un pas loin. Ah ouais, non mais il y a mon bouton de saut, il reste coincé. Sur celle-là aussi, merde. Allez, tes petits picots. Et c'était en hauteur. Oula. Ah, il y en a un deuxième. Voilà. Là, normalement, il laisse pas les pics. Hein. C'est là. Mais... Il saute hein. Mais qu'est-ce qu'il me fout, là? Ouais. Parce que moi, en fait, c'est pour ça que je les utilise. T'as failli louper les jardins dans ta première partie? Ah ouais, quand même. Même si, en vrai, ouais, c'est faisable d'aller au boss de fin. Bon, ben, adieu mon petit bloc sac. Que j'aimais bien comme réservoir d'âme. De France. Donc, il m'en manque plus qu'un. Ben, écoutez, je vais aller à Nid Profond, hein. Parce qu'au moins, lui, il est sur la carte, je sais où il est. Cette tristesse! Après, en même temps, c'est des zones où j'ai pas besoin de revenir, donc... C'est vrai qu'on s'en fout un peu, quoi. C'est ici qu'on rencontrait Klaus, je suis pas sûre, hein. Mes cornes frottent contre eux, les ronces, ça pique. Je me demande ces ronces que c'est, enfin, dans le sens où est-ce que c'est... une sorte de gigantesque plante qui fait plusieurs zones, jardin de la reine, vers chemin, tout ça. Ou est-ce que c'est juste des ronces qu'on trouve partout, quoi. Je suis curieuse. Bah, ni profond, ni profond. J'aime pas ni profond. J'aime pas l'ambiance. J'ai plus galère, c'est les deux au Mont Cristal. Mais Mont Cristal, le platforming, je trouvais pas évident. Hein. Genre, la butte cristallisée, même maintenant, au niveau que j'ai maintenant, bah, je meurs encore en y allant, quoi. Enfin, faut dire aussi, c'est le problème, c'est les plateformes plus les ennemis, ça aide pas. Nid Profond, j'avais dit. Ouais, je pense que je vais finir celui à Nid Profond, là, et puis après, je vais tout doucement les faire à bouffer. Village. On va aller au village.
Ah oui, bah j'ai le portail pour remonter, c'est parfait. Placer un portail des rêves à Nid Profond, il n'y a vraiment que moi pour faire ça, je crois. Les petites souris volantes qui portent le cristal... Oh, purée. Oh. Mais pour aller à cette partie-là dans... La partie qui mène au puits, qui descend là au repos éternel, moi je les esquive. Hein. Si tu vas vite, tu les esquives vite en fait. Et là ça va, mais du moment où t'as attiré leur attention, c'est mort. Je veux pas descendre, je veux aller là-bas. Bon, bah, je sens que j'ai de bonnes... Comment j'avais fait pour monter là-haut, moi? J'étais passé par là, je crois. Mais non, mais Maurice, là, casse-toi! T'as pas la lumière? Ah ouais, d'accord! Ah! Ah bah, tu cherches les ennuis, toi, hein! Bon, toi, tu vas me faire de l'âme, c'est cool. Et des géos qui ne me servent à rien. Ouais, donc c'est dans la caverne. En fait, c'est pas loin de là où il y avait la plante à rêve. Et je sais plus pourquoi je l'avais marqué, mais pour me faire de... Si, pour me faire de l'âme, forcément. Ça fait plus compliqué que vous. Ah, bah ça me surprend pas, hein. Voilà. Je savais que c'était la base. On n'est pas loin, hein, mais je sais plus de quel côté c'est. Je sais pas si ça va être ici. Ou... Je suis en train de me dire comment j'ai pas ça sur ma carte en fait. Est-ce que j'ai juste mal placé le marqueur? Merde. Comment se fait-il que j'ai pas ça sur ma carte? Donc ça c'était la plante à rêve, on est d'accord. Donc le truc doit être un peu plus bas. Ah, mais quelle lourde! Et je vais suivre mes bons conseils numéro 2, 3, 4, 5 et 6, c'est-à-dire soigne-toi. Est-ce que c'est par là? Là. Adieu, mon petit. Bon, allez, je te bute. Parce que je vais rentrer avec le portail, de toute façon, faut pas déconner. J'ai pas envie de remonter à la main. Donc, celui-là, c'est fait. Bah ouais, je commence à pas mal compléter quand même. Hein. Rampant de cristal. Ah, bah tiens. Feignasse. Ultime. Rampant de cristal, je ferai ça la prochaine fois aussi. Je vais me garder ça. Comme ça... Ouais. Ça, je vais réessayer le fixeur. Et les rampants de cristal, la prochaine fois, je ferai mon cristal à ce moment-là. Et c'est là que j'ai trouvé le bloc sac que j'aurais pas pris. Ah, c'est pas grave, il restera en place. Je veux me souvenir... Pour fin de live, le fixeur, exactement. Par contre, je vais peut-être pas réessayer 40 fois d'affilée, parce que c'est chiant, hein, faut dire ce qu'il y a. C'est plus, je vais réessayer de temps en temps, et puis voilà, parce que... De toute façon, ça, je peux le faire à peu près n'importe quand. Pourquoi j'avais dans l'idée qu'il fallait que je sois sur le sol pour faire ça, et que ça marcherait pas si je le faisais dans le vide? Forcément que ça marche quand on le fait dans le vide, vu que j'arrive à le faire pendant des fights. Par contre, ce que j'espère juste, c'est qu'il n'y a pas un délire du genre « il n'apparaît que tant que les routes sont pas contaminées ». Parce que si c'est ça, c'est ballot, quoi. Genre grave ballot. Que d'occupation saine, balancer des sorts dans un puits. On est d'accord, par contre, là, il n'est pas apparu. J'ai rien vu qui changeait par rapport à d'habitude. J'aime beaucoup le double saut, je vous l'ai déjà dit. Oh. Brata, ma copine. Ok, cool.
Parce que c'est pas le genre de machin que tu penses à faire en début de game, hein, faut être honnête. C'est... Tiens, si j'allais balancer des sorts dans le puits, là, pour voir. Mode touriste. Tu dirais que t'es une descendante. Ouais, bah ouais, justement, c'était ça, c'était le but, si j'ai bien tout compris, quoi. C'est... Parce que sinon, s'il est rapide... Mis de mettre du côté gauche pour qu'elle tombe bien sur lui, près du panneau. Enfin, côté gauche. Façon de parler. Je veux dire, il y a un machin qui a un cœur qui bat, c'est pas les sacs, c'est l'infection. Dégueulasse. Ah, est-ce que c'est dégueu? Est-ce que c'est dégueu? Bon, donc, en théorie, hein, sur 100 essais, normalement, il y en a deux où il doit apparaître. En théorie, en pratique, je peux faire 1 million d'essais. Enfin, non, si, techniquement, à un moment donné, il apparaîtra. Ah, mais putain! Je vais sur le bon. Ouais, ça, j'avais déjà vu, ouais. Mais, Enfin, j'avais déjà vu. Je sais qu'il donne accès à quelque chose d'après ce que j'en ai entendu, mais pour l'instant, on va déjà voir si j'arrive à l'avoir. Sinon, je réessayerai la prochaine fois, comme dit. Je réessaye des petits bouts à chaque fois plutôt que de faire tout d'affilée. Comme ça, ça me fait plein de petites choses à faire. Toum, toum, toujours pas. La bénédiction super efficace. La bénédiction, elle est géniale, quoi. Le seul truc, c'est que... c'est très pénible d'entendre Salubra qui fait ouhouhou derrière pendant que genre que tu réfléchis à ta combinaison de charme. Juste un tout petit peu pénible. Ouais. Allez, j'ai encore quelques essais, puis après, je vais faire à bouffer parce que j'ai franchement faim. Et puis, je peux réessayer plein de fois. J'ai pas de limite. Il y a plein de fois d'ajoie, qu'est-ce qui me manque? Moi j'irai regarder qu'est-ce qu'il y a dans le journal du chasseur, hein. Je pense que Google sera mon ami, ou le wiki, ou... Peu importe. Ouais, il y a Salubra qui rigole, c'est ça. Non mais en plus elle a l'air de trop aimer ça, quoi. Elle vit bien sa vie, tout cool, hein. Je suis contente pour elle. Salubra doit fumer ses charmes parce que... Oh, le charmant petit village là-dehors, il est plein de vie. Et t'as les zombies qui explosent et tu fais... Ah ouais, t'es pas sorti de chez toi depuis des plombes, toi. Yes! Je pense que c'était lui. Bon. En vrai... On va aller chez Salubra. On va pas faire le tour par les routes parce que ça saoule. On va passer par un autre chemin. Je sais pas si c'est tellement plus rapide, mais... Ouais, 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 mais je vais passer par là. Parce que vu que le chemin est bloqué, il faut que je fasse tout le tour. Ah non, mais attends, je vais prendre le piédestal là. Forcément. C'est par là en bas. Je suis allée un peu trop loin. Voilà, un petit cristal d'âge. Bah, mon bro qui est plus là. Je sais pas s'il est juste parti ou s'il est mort. Moi, dans mon monde à moi, il est mort. Et en fait, il est mort depuis un moment, mais il le savait pas encore. Voilà. Parce que vraiment, j'ai la flemme de passer par les routes. Hein. Donc, c'est pas chez Salubra, on est d'accord. Mais il y a plusieurs petites maisons là-bas.
pas mourir, toi. Alors, littéralement, allez tous mourir. D'ailleurs, vous êtes tous déjà morts. Non, ça c'était la maison où il y avait Sly. Ouais, la maison où il y avait Sly. Juste Tiso, tu sais pourquoi tu le vois plus? Tiso, je pense qu'il est allé se battre au Colisée et qu'il a mal fini. Ah, voilà. Je sais pas pourquoi. Parce que dernière fois que je l'ai vu, c'était là-bas. Coucou Arcades, comment ça va? Cher journal, la vie n'est-elle pas magnifique? Fixer les panneaux, préparer les poteaux. Laisser les casser, je dis toujours. Toutes ces réparations font de moi un meilleur raccommodeur. Je pense parfois qu'il ne doit pas exister un seul insecte dans Alonest plus heureux que moi. Rebonjour, cher journal. Ce ne sera plus très long maintenant, avant la prochaine fête des raccommodeurs. Pour des créatures furtives, nous sommes un groupe tapageur quand nous sommes tous réunis. Berry, la raccommodeuse, n'a pas cessé de me sourire. Il serait peut-être temps pour moi de rassembler mon courage et de faire quelque chose. T'étais en lurk, j'ai pas vu tes messages. Ou alors si je les ai ratés, c'est que peut-être que Wisebot t'a banni, comme ça il a effacé tes messages sans que je l'ai vu. on va finir de lire le journal du coup. Hein. J'aime tellement ma maison et ma vie. Pouvoir les partager avec quelqu'un d'autre, ce serait la berry sur le gâteau. Mon cher journal, quelqu'un a brisé mon panneau préféré, juste là sur les routes oubliées. Cela ne cesse de se répéter. Ah ouais, quand même, t'es arrivé quand j'étais sur Radiance, ah ouais. Et tu sais, je ne peux pas me mettre en colère pour ça. En fait, je devrais les remercier. Cela me donne l'occasion de réparer plus souvent ce beau panneau complexe et j'ai stocké plein de pièces détachées. Ainsi, je suis sûre qu'il ne restera pas cassé très longtemps. T'avais dit bonjour, purée, mais je suis désolée, alors je t'ai complètement zappé, c'est pas possible. Alors, en même temps, faut être honnête, si t'es arrivé quand tu étais sur Radiance, c'est pas impossible que je t'ai zappé. Dans ce cas-là, je suis vraiment désolée. Attends. Mais ça fait des plombes alors que je te mets des vents, là. Je suis désolée. Que t'es morte un milliard de fois. Ouais, bah du coup, bonjour à retardement. Radiance, c'est vrai que c'est concentration parce que esquive, mort. Ah, attends, non, c'est la même chose. On a fini le journal. Mais non. Y a pas d'autres entrées? Bah non, parce qu'on l'a tué, y en aura plus jamais. Ah ouais, non, mais pour avoir du lore, moi je dis... Ben, on va voir maintenant, du coup. Ah ouais, effectivement, c'est monté à 149 sur 152 et pas 149 sur 151. Donc, effectivement, c'est possible qu'il ait une entrée, mais il ne compte pas pour la complétion. Ah ! Alors, je sais pas ce qui me manque. Hein. Je sais pas du tout. Carcasse... Bah, non, c'était quoi que... Qu'est-ce que j'avais... Fouisseur incubateur. Ah, oh, purée, non, mais ça, je sais où les trouver. Va voir ton journal. Ouais, du coup... Genre, t'as dû rester à Nid Profond, mais là, j'ai vraiment pas l'énergie de Nid Profond, quoi. Là, j'ai faim. Il l'a mis où? Il l'a mis dans les routes? Je sais plus où c'était. Tu sais ce qui manque? Fixeur, voilà. Radiant, c'est le dernier boss du Colisée. Bah ouais, mais ça fait quand même... ça fait quand même trois trucs qui manquent, là. Il y en a que deux. Dernier boss du Colisée, bon ça, je sais ce que c'est, parce que je l'ai déjà vu sur d'autres streams, hein. Là, je suis déjà spoil. Radiant, ouais, c'est logique, puisque les boss comptent dedans, mais alors le dernier? Parce que je suis à 149 sur 152. Donc il m'en manque trois. Les boss, ça m'inquiète pas, parce que ça, je les ferai. Mais alors, le troisième, c'est quoi? Tentacule du vide, je les ai, donc c'est pas ça. Manche-saut. Ah, je sais pas. Je pense que ça par contre, j'irai voir offline. Qu'est-ce qu'il faut pour le compléter? Et je comparerai avec mon jeu, histoire de... Ouais. Ah bah oui, bah forcément, les rampants de cristal, c'est ceux qui lancent les lasers, donc oui. Bah évidemment que je les avais pas fait, je les esquivais juste.
Ouais. Ceux-là, faut que je retourne au genre Outram. Bon, c'est faisable aussi. Est-ce qu'il se passe un truc si je rentre de nouveau dedans? Ah, c'est terrible, j'ai buté le mec qui réparait les panneaux. Tout ça pour aller lire son journal intime. Mais on est horrible, en fait. La graine de vie. La graine de vie, c'est quoi, ça? Les graines... J'avais buté les petits... Ouh, Avdiu qui raid la chaîne avec 8 personnes. Eh bien, merci pour ton raid, Avdiu. Bah, ça tombe mal, je voulais passer chez toi après. Tant pis. Bah, bienvenue à tous. Alors, bon, vous arrivez sur un moment pépouze, hein, parce que je suis en train de regarder ce que j'ai pas fait dans le journal du chasseur. Donc ça, je les ai fait. Les graines que te donnent les cocos au masque bleu. Ah oui, les trucs que je prends jamais. Ah, pas bête. Mais normalement, si, j'en ai déjà pris, donc ça devrait être dedans. Voilà, ben, en tout cas, pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous installer. Nex, pseudo trop court, salut les parades. Salut à toi, Nex. Je vais t'appeler Nex, parce que sinon, c'est Nex pseudo trop long, ça... Ben, bienvenue ici. Ça se passe, Grim est tombé. Ouais, Grim est tombé. Par contre, le dernier boss n'est pas encore tombé. Hein. Là, vu comment elle frappe... Ouh, elle fait mal. Bah merci pour ton follow, Nex. Je t'appelle Nex si ça te dérange pas. Dis-moi juste si tu veux absolument que je dise le pseudo complet. Sanake, bonjour à toi aussi. Ouais, c'est du Hollow Knight. Alors bon, vous arrivez un petit peu sur la fin du stream. Je vous cache pas que là, ça fait presque 3h30. Il faut que j'aille faire à manger parce que cet après-midi, j'ai parti de jeu de rôle. Donc il me faut le temps de bouffer. Mais ouais, donc ce matin, j'ai fait... alors, si je me rappelle bien, Avdiu, toi, t'as déjà commencé le jeu, donc techniquement, ni toi, ni... Enfin, t'as déjà fait le jeu, ni toi, ni ton... Ouais, voilà, vous êtes pas spoilé. T'as fait Pass of Pain. GG, GG, j'ai pas de GG à t'envoyer dans les alertes sonores, donc envoyez tous des GG pour Avdiu. C'est... Moi, je l'ai pas encore essayé, j'avais vaguement essayé. Puis après, je me suis dit, en vrai, est-ce que je ferais pas mieux de finir le palais tout de suite? Et j'ai fini le palais à la place, et bah, il faudra que je fasse ça. Je peux t'appeler court aussi, mais c'est bizarre, quoi. Ouais, Nex, ça fait un peu plus la classe, quand même. Ouais, je regardais les graines de vie, je sais juste pas où elles sont. Donc, je remonte tout, c'est les machins bleus, hein. Lilou, bonsoir, tu nous as manqué. Ouais, tu nous as manqué, je me disais encore, tiens, est-ce que Lilou va passer ce matin? Bon, t'as rien manqué du début du stream, parce que j'avais pas de son, j'avais un petit bug. Donc tout le monde me disait, on t'entend pas, on n'entend pas la musique. Mais moi j'étais là, hein, quoi, j'étais en train de parler, tranquille. Graines de vie, graines de vie... Mais j'en ai déjà buté de ces trucs, pourtant. Je devrais les avoir. Bon, sinon je sais où il y en a, on peut vite aller chercher à... aux falaises. Ben ouais. Au début... Ouais, non, ça c'est bon, les graines de vie, je les ai. Donc oui, il y a le grand mystère de qu'est-ce qui me manque. Il me manque deux boss que j'ai pas encore battus. La rôdeuse pâle, je l'ai tuée. Puisque j'ai piqué sa clé et je m'en suis servi pour ouvrir le sarcophage qui est dans les égouts. Donc ouais. Je suis désolée, je suis en train de spoiler tout le monde là, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas joué. Alors peut-être qu'il faut que je la batte plus de fois, je ne sais pas si je peux le refaire. Par contre, je sais pas où elle est. Elle doit être dans la catégorie colisée, je pense. On est d'accord, hein, la rôdeuse pâle, c'est l'espèce de petit golem là qui traîne derrière le colisée. Hein, et qui te balance des énormes shurikens. Je me trompe pas. Glimback. Ah ouais, ça annonce ce truc, c'est vrai. Ouais, là j'arrive sur les trucs. Balle dure endurcie. Ouais, la rôdeuse pâle, je l'ai. C'est ça, elle est pas rendue folle par l'infection, elle est juste folle, ok. Ah ouais, c'est fait ce genre ancien combattant du Colisée, hein. Ah ouais, championne oubliée du Colisée, c'est ça. Ouais, ben ça, faudra que je me renseigne. Je vais aller sur Google et je regarderai qu'est-ce qui me manque, parce que... J'espère juste que c'est un truc que je peux avoir. Mes amis, trois derniers flammes. Et je sais pas s'ils comptent. Je regarderai. Je regarderai.
Comme dit, j'ai pas encore pris ma décision quant à savoir si... si je bannis Grimm ou si je fais son rituel à la noix. Qu'est-ce que je fais, moi? Mais qu'est-ce que je fais? Mais... Voilà, je vais aller là. Le rituel! En fait, Avdiu, le truc, c'est juste que, d'après ce que j'ai compris, les garpèdes... Mais les... Ouais, mais les garpèdes, on peut... je les ai dans le journal, mais on peut pas les tuer. Il me semble pas. Mais normalement, je les ai, ouais. Ouais. Je pense que ça, c'est rempli automatiquement. Donc ouais, pour Grimm, je ne sais pas, parce qu'on m'a dit que si je le bannis, ça me donne un avantage après pour le Panthéon. Donc j'hésite, parce que vu comment je galère, est-ce que ce serait pas bien d'avoir un avantage pour le Panthéon quand même? Carcasse magnifique. Ouais, celle-là, je l'ai butée, je lui ai piqué du pognon. J'ai piqué tout son pognon, d'ailleurs. Où est-ce qu'elle était, la carcasse magnifique? Elle est dans la cité. Non, c'est plus haut, ça. Mais la carcasse magnifique, il n'y en a qu'une seule, de toute façon, donc... Où est-ce qu'elle était? Celle-là. De toute façon, il faut faire le jeu deux fois pour faire un max de choses. Exactement. Donc, c'est déjà prévu. Là, je suis en endgame sur ma première partie, et c'est prévu que je fasse une deuxième partie, en parallèle, d'ailleurs... pour me détendre un petit peu des tryhards de boss de fin de niveau. Et dans la partie parallèle, bah, bien sûr, je ferai... si je bannis Grimm dans la première, je ferai Grimm cauchemar dans la deuxième et inversement. Mais je pense que tout ce qui est essayer de faire tout le Panthéon, je ferai ça dans cette partie. Parce que... Ah, j'ai du mal, hein. Voilà. Lumafly chargé. Ça me dit quelque chose... Pile flip, ça s'appelle des pile flip. Et Lumafly chargé, c'était où ça? Aluba, c'est quoi Aluba? Aluba, ça me dit rien par contre. Les Lumafly chargés, c'est où ça? C'est. Bon, je vais refaire la liste. Hein. Je sais pas dans quelle catégorie chercher. Mais Lumafly, ça me dit quelque chose, j'ai dû les voir. Tentacule du vide, je les ai. Je les ai récupérés l'autre jour. Lumafly. Est-ce que c'est avec les Oumu et compagnie? Ça, je sais plus. Ah, bah non. Bah, je sais, c'est ça qui me manque. Non, mais en vrai, est-ce que c'est pas tout simplement les flammes? Puisque on avait le Grimm Novi, c'était pour la première série Flamme. Grimm Despot, c'est la deuxième série. Je sais pas. Le charme que tu obtiens est plus utile que celui quand tu le bats. Ouais, c'est possible que ce soit un truc comme ça, quoi. Gomme. Les gommes, c'était... Les gommes... Ah, ça, c'est les machins qui sortent du sol avec des grosses dents, hein. Attendez, je vais le reprendre. Les gommes, ça c'était aux routes. Mouche vengeresse, G. Les gommes, G. Je m'en sers pas dans les deux cas. Personne, tu t'es servi d'aucun des deux. Mais de toute façon, comme dit, si je bannis Grimm maintenant, j'affronterai Grimm, je finirai le rituel dans l'autre partie. Hein. Ça va pas... Donc les gommes G, on cherchait les Lumafly chargés, la mouche masquée, Aluba. Ça me dit rien du tout ça. Aluba et la mouche masquée, c'est la même chose? Il sera dans le Panthéon, voilà, dans tous les cas il sera dans le Panthéon, donc je rate rien entre guillemets. Mouche moussue, la mouche masquée, Zoro. Tant qu'il n'y a pas besoin de Zot, parce que Zot dans cette partie n'existe pas. Enfin n'existe plus. Ce sera plus galère de le battre. De toute façon, il sera galère à battre, de toute façon. Non. Aluba, ça me dit rien. Hein. Tu as fait le bon choix dès ta première partie en le laissant crever.
Mais c'était pas fait exprès. J'avais peur d'affronter le monstre qu'il avait fait prisonnier au début. Et je me suis dit, je reviens plus tard quand je saurai un peu mieux jouer. Et puis, finalement, j'ai fait les mantes, j'ai fait la cité. Et je suis enfin revenu. Je sais plus si c'était après la cité ou après le mont cristal. Et là, je pense qu'il était mort depuis longtemps, quoi. Ah, de pas avoir Zod, ça me donne un gros avantage. C'est possible, ouais. J'ai été spoilé sur Zod quand il faut enfin l'affronter. Et ouais, effectivement, ça a l'air bien. Lumafly, purée, c'était où les Lumafly? Je suis sûre que j'en ai eu chez machin chose là. Les Aluba au lac Dune. D'accord, donc c'est les Aluba qui me manquent. Ok, bah écoute, je vais noter ça. Je vais pas y aller maintenant. Mais. Donc je me note lac Dune. On avait dit les boss et le machin, le dernier boss du Colisée. Et j'ai pas les mouches masquées. Chapeau, là, le zoo doré, oulala, oh, ça doit être le dernier niveau de ce truc. Les Lumafly. Mais en fait, qu'est-ce que t'appelles les mouches masquées? Elles s'appellent mouches masquées ou... Je suis pas assez maso. Ouais, moi je suis un peu maso, mais peut-être pas à ce point. Effectivement. Je vais juste regarder les Lumafly au passage. Mais je crois que je les ai, ça me dit quelque chose. Mais non, attendez. T'as bien vu ton état de maso, ouais. Tu as fait le sentier des souffrances. Ouais. Ouais, mais alors, on est bien d'accord que... en fait, il m'en manque que 3, quoi. Parce que Zod, par exemple... Zod, a priori, ne doit normalement pas compter. Mouche masquée. Attendez. Je note, hein. Salut, bras, ferme-la, en arrière-plan, là. Mais les Lumafly, je crois que j'ai l'impression d'avoir vu passer ça. Ça me dit quelque chose. Je sais plus comment, mais ça me dit quelque chose. Je vais peut-être aller trop loin, en fait. Voilà, Lumafly chargé, c'est ça. Bon, je cherchais... c'est la dernière zone que j'ai faite pour les rêveurs, donc je pensais que c'était plus bas. Non, ça, c'est bon. Ah, mais les mouches masquées? Ouais, c'est ça. Je sais que Zod, tout ça, ça rentre dans le journal, mais ça ne compte pas pour l'achievement. Je crois que ce qui compte, c'est vraiment les trucs, entre guillemets, de base. Pas forcément tous les trucs des DLC ou les boss optionnels ou ce genre de choses. Il me semble. Mouche vengeresse royale. Mais alors mouche masquée, ça me dit rien du tout. C'est... Si j'en avais déjà buté, ce serait forcément déjà dedans. Mouche instable, mouche moussue. Ça c'est ceux qui volent, c'est les buissons volants. Les mouches masquées. Puis, oh, les mouches masquées, ça me dit absolument rien dans ce cas. J'ai fait le Colisée 3, j'ai commencé le Colisée 3, j'arrive à peu près jusqu'au Mantes et là je me fais bolosser. Bizarrement, c'est même pas les garpettes qui me font du mal. C'est les aspides. Les machins avec leurs 3 boules oranges. J'en peux plus de ces trucs, c'est de la merde. Que tu as des nouveaux ennemis dedans. Alors oui, le boss du Colisée, c'est un nouveau truc. Et effectivement, j'ai les machins voltaïques, là. Je sais plus où c'est. Mais ça ressemble à ça, mais en faisant de l'électricité. Et ceux-là, je les ai déjà. Enfin, j'ai l'entrée, mais j'ai pas fini de les compléter parce qu'il faut que j'en batte plus. J'ai pas les Aluba et les mouches masquées. Ok, bah je regarderai ça la prochaine fois alors. Ok. Je sais plus où ils sont les machins voltaïques, mais ils doivent être dans le coin. Baldur endurci. Ah par contre, ouais, ça se trouve, les mouches masquées, c'est un truc du Colisée aussi. En fait, très con, très connement. Parce que là, il y a des machins masqués, mais je sais pas si c'est pas des mouches, quoi. L'oudol de la mort. Je déteste ces trucs. Ouais, c'est ça, ça, il faut que j'en fasse 5 de plus. Avec tous mes tryhards au Colisée, je me fais pas de soucis. Si c'est des trucs du Colisée 3, je vais forcément,
forcément les avoir. Tu prévois de faire les panthéons all bind. Moi, j'ai essayé avec un bind, avec l'aiguillon. J'ai pas tenu le premier panthéon. Hein. En même temps, j'y allais en touriste. Faut être honnête. Je vais me lever du banc. Ah bah non, je suis pas sur le banc. J'aurais dû aller là parce que j'en peux plus de salut bras. Je sais même pas où j'allais, moi. On va se poser près du banc, ici. Pas à côté de chez Salubra, parce que j'en peux plus de l'entendre rigoler. Et forcément que ça allait se produire, hein. Forcément. La belle piscine. Je l'ai fait pour les deux premiers, mais c'est tout. Il y a le troisième, il y a deux binds que j'arrive pas. Comment ça, tu veux voir le secret, Avdio? Quel secret? Ah, le secret pour réussir! Non? Oh là, non, là, j'ai plus suivi, désolé. Mais je vais où, moi? Mais non, mais c'est pas là que je dois aller, mais qu'est-ce que je fais? Ah non, mais je monte, moi. Oh là là, même là je suis perdue quoi. Ouais, effectivement, il est temps que j'aille bouffer là. Ouais, c'est ça, quel secret? J'avoue, j'ai pas suivi, effectivement. Je suis désolée. Ou alors, est-ce que c'était The Secret Ultime? Tu fais les pantalons avec malus, tu débloques un secret. Ah, d'accord. D'accord, ouais. Dans ce sens-là. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais on va déjà faire le premier panthéon. On va déjà faire les panthéons sans binding. Hein? Ça peut... Mais ouais, mais vous m'appâtez avec du lore, là! Ils mettent le lore sur des trucs difficiles! C'est... P5 en bind. Je verrai. En tout cas... Je me suis noté les mouches masquées, Aluba, bah les boss qui manquent évidemment. Et bah je pense que je ferai ça une prochaine fois. Alors je sais pas encore quand. Est-ce que je fais ça demain? Demain après-midi peut-être. Parce que c'est vrai que demain j'ai l'occasion de caser un live. Mais j'ai pas encore décidé de mon planning, donc je verrai. De toute façon, dans le pire des cas, entre guillemets, il y aura les lives habituels, donc le mardi, vendredi à 19h et le dimanche à 10h, en espérant que cette fois, il n'y a pas OBS qui... et Streamlabs, hein, comme ça, là, ensemble, ils ont fait fusion et ils ont décidé, ah bah tiens, on va plus marcher. Et bien évidemment, je découvre ça, genre au moment où après avoir lancé le live. Trop bien. Donc d'ailleurs, faudra que j'y fasse le premier live, vu que c'est que de la merde qui dure 5 minutes. Et ben voilà, ben je mettrai pour le planning, tout ça, je le mettrai, ce sera sur mon Discord, ce sera sur Twitter de toute façon, hein, l'identifiant c'est Naofaï, c'est exactement la même chose. Et parce que j'ai pas encore décidé. J'attends d'abord d'avoir également le planning de mes potes pour voir quand c'est les soirs ou qu'on joue, tout ça. Et après je vois si je fais des lives l'après-midi ou le soir. Parce que l'après-midi je suis plus en forme, mais le soir je sais que vous êtes plus dispo aussi, forcément. Donc voilà. Bah écoutez, je vais essayer de trouver quelqu'un qui fait un petit live. Alors bah du coup, je comptais à la base faire un raid chez Avdiu, mais... Forcément. Oh là là. J'ai arrêté mon stream sur une freeze frame absolument dégueulasse. J'ai personne de ma liste là, c'est pas possible, y a personne. Mais de rien, Kevlesco. Je vais faire une nouvelle chaîne YouTube avec juste les rediffs de live, ça existe déjà. C'est une chaîne secondaire. Simplement, j'en fais pas la promotion parce qu'il y a, bah, y a aucun intérêt. Les rediffs de live, le seul intérêt, c'est pour les viewers et encore. Parce que moi, comme j'ai les rediffs pendant 60 jours avec Prime, voilà quoi. Donc, bah écoutez, bon après-midi, effectivement. Bon dimanche à vous tous. Je vais regarder si j'ai quelqu'un qui fait du Hollow Knight. J'ai quelqu'un qui découvre le jeu. Petite découverte chill de Hollow Knight, donc pas de spoiler, merci. Je vais vous envoyer là-bas, c'est quelqu'un qui s'appelle Zero Camille. Le chat est pas en follower only et pour l'instant il n'y a pas beaucoup de viewers, donc c'est quelqu'un qui a l'air de découvrir. Ouais voilà, il a pas beaucoup de follow.
Elle s'appelle comment? Quelqu'un qui s'appelle Zéro Camille. Au niveau... Voilà, qui a pas de cam, mais c'est pas grave. Ah, je sais pas si c'est il ou elle, en fait. Il me dit un mec qui fait mumuse à faire semblant d'être streamer, des fois, peut-être. Donc, voilà. Bah écoutez, on va faire le raid là-bas. Ça lui fera plaisir. Vous êtes pas obligé de rester, mais amis, de rester pour le raid, dites-lui bonjour. Et puis après, si vous voulez pas rester, vous restez pas, évidemment. Mais c'est juste que j'aime bien, comme ça, encourager des potes streamers, tant qu'à faire. Ça leur fait toujours plaisir. Donc, ben voilà, on va faire ça. Ah, ma chaîne secondaire, je sais plus. Je te mettrai le lien dans le Discord. Ça... Parce que je sais même plus comment elle s'appelle, c'est dire. C'est honte. C'est absolument honte. Donc, ben voilà. Ben écoutez, moi je vous souhaite une bonne après-midi, un excellent dimanche. Hein. On va faire coucou à Zéro Camille, comme dit le... C'est 4 follow. C'est un tout petit stream, ça lui fera plaisir, je pense. Et puis après, allez manger, allez streamer, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'être là, et puis je vais lancer le raid. Sur ce, je vous dis au revoir à tous.